Et bonsoir, je suis Anna Toumazov, nous sommes le 4 janvier, il est 19h, bienvenue dans Tunnel sur Move. Cette semaine, j'ai adoré pouvoir me féliciter de toutes les décisions décisives, c'est une allitération, hein, je le sais, j'ai fait L, prise en fin d'année dernière. Mais je ne vais pas commencer à vous mettre de tunnel au sujet de ces décisions radicales en question, parce qu'on a justement toute l'émission pour ça. J'ai détesté ne pas comprendre l'expression « bon bout d'an » et je me suis sentie isolée et boomer, comme ma consoeur Constance Villanova, que je salue, qui depuis qu'elle a passé les 30 ans multiplie les messages et stories pour demander à ses amis d'expliquer les blagues du moment. Donc si des trentenaires nous écoutent ou sont autour de la table, on les salue. J'ai écouté en boucle ma conscience me susurrer qu'après l'alcool, c'est peut-être la cigarette qu'il faudrait arrêter. Et je lui ai répondu que je suis bien d'accord, mais qu'à chaque jour son combat. Et enfin, j'ai découvert ce que c'était qu'un nouvel an sans alcool, justement. Et j'ai aimé ça. Les invités autour de cette table doivent sûrement très bien connaître ces fêtes où on agit un peu différemment des autres. Car ils ont un point commun avec moi. L'alcool, ou plutôt son absence, en tout cas temporaire. Comment est-ce qu'on s'en passe dans un monde qui s'enivre? Et surtout, pourquoi? Est-ce qu'il y a une vie après la tise? Sans jugement ni grande certitude, je me suis entourée ce soir d'experts pour en parler. En tout cas, de gens expérimentés. À mes côtés, Claire, tu es écrivaine et scénariste. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, journaliste et reporter un peu partout. Alors, on t'a vu sur Inter, Canal, France TV, Gradia, GQ et je pense que j'en oublie. Avec toujours l'engagement chevillé au corps. Tu fais ce soir un grand retour sur Move où tu étais chroniqueuse en 2011. Et ouais. Il y a les boomers de 30 ans et puis il y a ceux qui... Tu vois, voilà. Ça s'appelait Le Move d'ailleurs à l'époque. Exactement. T'as connu donc le Move. Tu as publié deux livres chez Flammarion, dont un au titre éloquent en 2021, Sans alcool. Comment t'es venue l'idée d'écrire sur ce sujet aussi tabou ? Eh ben, en fait, c'était assez... j'en ai parlé avec mon éditeur un jour. Je devais écrire un autre livre avec lui et je lui ai dit « Écoute, c'est marrant, je viens d'arrêter de boire. » Et il m'a dit « Commence par écrire ça. » Et c'est marrant parce que j'ai écrit en même temps que j'arrêtais. Mm-hmm. Donc il y avait une sorte d'euphorie dans l'écriture, en fait. C'est ça qui était assez fou. C'est-à-dire que j'ai vécu vraiment mon arrêt en même temps que ce carnet de sevrage. Et donc, on y ressent, je pense, un peu cette euphorie-là. Parce que cet arrêt, on pourra en parler, évidemment, après, on va y revenir, est lié au confinement. Et là, à ce moment-là, toi, quand il sort, c'est pendant cette espèce de deuxième confinement hybride où on ne sait plus trop si on est enfermé ou pas, à une période où, justement, beaucoup de gens se questionnent sur leurs addictions. Et comment a été reçu ce propos ? C'est amusant parce que je m'attendais à rien en le faisant. C'était un peu mon insouciance justement qui m'a aidée parce que je me rendais pas compte que j'étais en train de déterrer un gros tabou. Et il est sorti au moment en fait où est arrivé justement le deuxième confinement et où les gens ont commencé à boire tout seuls. Je pense que ça a été vraiment ça le déclic, c'est-à-dire que en fait on était enfermés chez nous et de plus en plus de personnes se rendaient compte qu'ils buvaient tout seuls le soir et que c'était moins festif. Et donc quand mon livre est arrivé, il y avait déjà énormément de bouteilles qui avaient été vidées, je pense, pendant le confinement et donc il a été très très bien reçu et j'ai eu vraiment une médiatisation assez dingue, inattendue presque. Et ce livre sans alcool, du coup, si c'était à refaire, est-ce que tu l'écrirais après avoir pris le temps d'expérimenter l'arrêt ou est-ce que vraiment ça t'a semblé bien de pouvoir décrire ce cheminement au travers des pages comme tu l'as fait ? Je pense qu'il y a plusieurs étapes, on en parlera sans doute ce soir dans l'arrêt, dans la sobriété. On a 2 heures. Voilà. Et moi, ça fait 4 ans maintenant que j'ai arrêté de boire et je pense qu'il y a différentes étapes. Le début, on appelle ça la lune de miel apparemment, m'a dit mon mec aux alcooliques anonymes, où en fait on est un peu hyper joyeux d'arrêter. On voit que les côtés positifs, après commence un peu le dur du travail, je trouve. C'est encore autre chose, mais c'est aussi agréable. Et ça, je l'écrirai dans un prochain livre. D'accord, mais super. Avec, nous avons aussi Maxime autour de la table. Maxime, bonjour, tu es humoriste et créateur de contenu depuis l'époque Dailymotion. Raconte ton communiqué de presse. Ça remonte à quand, ça ? À l'époque, on m'appelait le Maxime. Et non, c'était en 2008, je commençais à faire des vidéos. Je fais une école d'audiovisuel et après, il fallait faire des projets. Et à l'époque, c'était Dailymotion qui permettait de partager du contenu sur Internet. On était 10 à l'époque. C'est comme ça que j'ai rencontré Cyprien d'ailleurs. Et c'était après... les podcasters à l'époque. Ouais, il y avait ça. Mais moi, je faisais déjà un peu du vlog. Ça s'appelait pas comme ça, mais j'étais à New York. Je faisais découvrir la ville en la faisant découvrir. J'étais avec mon copain Quentin que j'avais rencontré dans une école d'audiovisuel. Lui, il était monteur. Maintenant, il monte des longs métrages. Il a plus le temps pour moi, mais c'est le meilleur.
Et bref, et du coup, ouais, je découvrais la ville en la faisant découvrir, ça a bien marché. Après, je suis arrivé sur Paris, et après, la vie de création a continué. Mais la vie, même à la télé, notamment au petit journal de Yann Barthès. Absolument, ouais, j'ai fait une belle année là-bas. Et maintenant, tu co-animes un podcast qui s'appelle Tourista. Touriste, maintenant ça a changé de nom parce qu'on voulait avoir plus de partenariats avec les marques parce que les offices de tourisme ne trouvaient pas ça drôle qu'on raconte des anecdotes qui tournent mal comme ça, mais oui, ça s'appelle Touriste maintenant, mais oui, c'est ça. Ouais, j'ai Touriste là sur ma petite note dans mon téléphone et j'ai corrigé en cours Tourista. Je vais dire le move toute la soirée du coup. ce podcast, il parle de voyage et d'aventure et ouais. Tu t'adonnes aussi en ce moment au stand-up. Absolument, j'ai commencé la scène. J'ai réussi à débloquer ça dans mon cerveau et je suis très content parce que c'était quelque chose qui me faisait très peur, fut un temps, comme parler en direct dans un micro ce soir. Mais là, je suis de plus en plus en confiance en moi et ouais, je commence à faire un peu de scène et j'espère arriver à faire des projets sympas autour de ça en parlant de sujets plus ou moins deep, comme par exemple l'alcool. Exactement, parce que effectivement, c'est avec un sujet bien moins léger que tu fais parler de toi il y a un an. Une longue vidéo où tu expliques que tu as arrêté l'alcool depuis un an et que tu ne reprendras pas. Quand on est connu pour quand même beaucoup d'humour, des blagues, pourquoi on choisit soudain d'exposer un aspect plus intime finalement de sa vie ? Très bonne question, Anna. c'est arrivé à un moment où j'ai eu plusieurs périodes dans ma vie plus ou moins en confiance en moi, suivant les années, j'ai fait des projets plus ou moins exposés, et là j'arrivais à un moment où j'étais recapable de faire des projet où je parlais à beaucoup de monde, là où quand je fais mon podcast, j'ai l'impression d'être tout seul dans ma chambre et tout. Là, c'était face caméra, je parle d'un sujet où je parle de moi, c'est une des premières fois où je parlais de moi comme ça. Et en fait, je venais de passer un an à apprendre à vivre sans alcool et j'avais réussi en fait dans mon défi d'arriver à être heureux sans alcool. Et je me suis dit qu'il était important que je traite ce sujet-là. Parce que quand j'avais eu des problèmes d'alcool, m'accrocher à des paroles de gens qui avaient eu des problèmes d'alcool et qui en sont sortis, comme Claire Touzard qui m'a accompagné quand je lisais son bouquin quand j'étais dans mon défi d'un an. En fait, je m'étais dit que je ne pouvais pas passer à côté de ce sujet-là parce que dans ma vie, dans ma famille, ça a posé des problèmes. Et moi, dans ma vie, ça a posé des soucis. Et le fait que je sois... Voilà, c'est à mon tour d'en parler. Et puis, il fallait que je continue de créer parce que maintenant, je suis un créateur de contenu, quoi. Donc, je ne pouvais pas passer à côté de ce thème-là. Et maintenant, il y a des gens qui arrêtent l'alcool après avoir vu ma vidéo. Mais c'est ce que j'allais, ouais. C'est ce que j'allais dire, ça, parce que du coup, j'ai regardé ta vidéo ce week-end. Ouais. Et en fait, je me suis rappelé que cette vidéo, je l'avais vue à sa sortie, en gueule de bois, parce que c'était la seule chose que j'étais capable de faire. Et ça m'avait fait vraiment gamberger. Bon, j'ai mis après du temps encore pour prendre la décision. Mais effectivement, je crois qu'il y a une chaîne de décision entre nous là. Et ça avait été reçu comment, du coup, dans un monde qui trouve que l'alcool, c'est vraiment le summum du drôle et du fun ? Parce que les commentaires sont plutôt positifs, en plus, sur la vidéo en question. Ouais, carrément. Non, mais les commentaires sont fous. Moi, je pensais pas que ça impacte autant ma vie parce que on m'en parle. Je continue de sortir, je vais faire la fête et tout, et tout le monde me parle de cette vidéo tout le temps. Ça a fait. Je parle que de moi dans la vidéo, mais j'ai l'impression que ça a permis aux gens à se questionner sur leur rapport à l'alcool. Donc il y a des gens qui avaient besoin d'avoir un déclic et ils l'ont eu grâce à cette vidéo-là. Il y a des gens qui comprennent mieux leur partenaire parce que parce que comme moi j'ai réussi à en parler, à verbaliser un peu simplement, parce que je ne sais parler que simplement, ça a permis à faire comprendre à plein de gens. Donc il y a plein de profils de gens qui ont reçu positivement ce discours-là. Et moi, maintenant, je suis hyper content, hyper fier parce que je reçois plein de gens qui m'envoient leur compteur au bout. Ils me disent, ah, ça y est, moi aussi, j'en suis à un an. Je suis devenu pote avec des gens qui m'ont croisé dans la rue en me disant qu'ils avaient arrêté l'alcool grâce à moi et tout. Donc, c'est assez fou, là, le côté positif que ça a eu. Mais effectivement, quand j'ai posté le truc, j'ai été en flip total parce que je savais pas du tout l'image que j'allais renvoyer derrière ça. Sachant que minute 2, il y a public, voici, et qu'on fait des articles putaclic en disant les problèmes de l'alcool et tout, au lieu de... Alors que la vidéo, c'est « Hey, ça va mieux et je suis trop heureux !» Mais justement, il y a cette façon toujours d'exclure la personne qui vient adresser ce problème assez banal, en fait, d'alcool, de l'exclure du champ et de dire « Regardez, c'est l'alcoolique, on va en parler un petit peu de cette figure de l'alcoolique. » Et effectivement, je pense qu'il y a un cercle vertueux entre personnes qui ont déjà arrêté et personnes qui hésitent, qui peut s'exercer. Et d'ailleurs, en parlant de ce mot-là,
d'alcoolique, moi je fais en sorte de jamais l'employer dans ma vidéo parce que j'ai l'impression que les gens le comprennent pas forcément. Tout le monde ne le comprend pas de la même façon. Et du coup, moi, dans mon discours, je liste, je dis que j'ai des problèmes d'alcool et je les liste tous. Et en fait, j'ai l'impression que ça, ça a été important pour que ça soit plus. Enfin, que le discours il soit passé pour, auprès de, du plus grand monde. Voilà. Merci Maxime et bienvenue. Allez, et tu t'en sors très bien en direct. Rose, tu es chanteuse, mais aussi et surtout ce soir auprès de nous, podcasteuse et autrice. La saison 2 de ton podcast Contradiction est en cours et le livre éponyme sort le 25 janvier aux éditions Eyrolles. Rose, est-ce que tu peux nous parler de ce projet Contradiction ? C'est assez drôle, bonsoir déjà, merci de m'avoir invitée, je suis ravie d'être là. Je connais les invités par le livre donc, Alcool, Sans Alcool de Claire Touza et j'ai invité Maxime Muscat pour le Dry January l'année dernière. C'est drôle parce que je suis l'aînée un petit peu de toute façon, et par l'âge et par le début de mon abstinence. J'ai commencé en 2017, le 11 octobre 2017, et moi aussi j'ai décidé de le dire à tout le monde, donc j'ai dit à tout le monde que j'arrêtais, je me suis fait tatoué le 11-10 ici sur le flanc. Et à partir de là, j'ai écrit mon livre. Et comme Claire, j'ai été portée par cette espèce de d'effervescence de l'abstinence qui m'a fait un bien fou. Parce que quand on passe sa vie à survivre à des gueules de bois, soudainement la vie devient tellement facile. Je pense que je me mettais presque des bâtons dans les roues. Peut-être que la vie était trop facile pour moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était fou. D'un coup, je redécouvrais des choses simples. J'arrivais à faire les choses de tout le monde. Alors qu'avant, il me fallait... Parce que moi, il y avait un problème de drogue aussi là-dedans. Il me fallait un trait de cocaïne pour passer l'aspirateur, un verre de vin pour faire l'anniversaire de mon fils. Et puis voilà, c'était comme ça. Et donc, j'ai eu cette envie d'abstinence le 11 octobre, qui a duré 3 ans. Et ce qui est drôle, c'est que c'est pendant le confinement que moi, j'ai rechuté. Alors, j'aime pas du tout ce mot, parce que pour moi, les faux pas, ce sont justement des prises de conscience à nouveau. Il y a cette phrase de Saint-Augustin qui dit ça ne sert à rien de courir sur le mauvais chemin, il vaut mieux marcher en boitant sur le bon. Et moi, je pense que je marche en boitant sur le bon chemin depuis maintenant 7 ans. Et en 2017, en 2020, j'ai trouvé une autre solution à mes problèmes d'alcool et de drogue, c'était les groupes de Narcotiques Anonymes. Et pendant le confinement, j'ai décidé d'écrire cette idée de podcast parce que je me suis dit, pendant ce confinement, j'avais besoin d'entendre des témoignages parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus curatif, c'est l'expérience des autres. Et voilà, moi, c'est ce qui me parle le plus, c'est comment les gens s'en sont sortis, comment ils sont heureux sans boire. Et voilà, donc j'ai écrit, je commence tous mes projets par le nom du projet, c'est-à-dire que voilà, Kérosène, le livre qui est sorti en 2019, c'était Rose et Keren, mon prénom, c'était l'anagramme parfait, puis en sachant que la drogue est faite de kérosène. Et là, j'avais le mot contre-addiction avec un tiret, et j'ai déroulé le truc. En sortant de confinement, on m'a invité dans un podcast. J'ai parlé de ce podcast à cette Marjorie Murphy, qui avait un podcast qui s'appelle 40, sur la bascule de la quarantaine. Elle m'a proposé de coproduire contre-addiction. Depuis, il y a eu beaucoup de choses dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai essayé l'abstinence pendant des mois, j'ai décidé que je pouvais boire de temps en temps, j'ai décidé que je pouvais essayer de faire des cérémonies chamaniques pour me soigner, j'ai fait beaucoup, beaucoup de thérapie, de kinésiothérapie, j'ai un éthiopathe, enfin, et à chaque fois, je pense que c'est des excuses pour essayer de me dire, tu vois, t'es guéri, tu vas pouvoir boire. Et en fait, à chaque fois, c'était à mes dépens que j'ai essayé de reboire. Donc aujourd'hui, je me relance. J'ai fait une annonce officielle un petit peu sur les comptes de mes réseaux sociaux pour dire, voilà, le Dry January, moi aussi, je m'y remets parce que, en fait, je crois qu'il y a des personnes comme moi, comme Maxime ou comme Claire, peut-être pour qui c'est... Et comme toi, peut-être aussi, pour qui c'est pas possible de boire. Voilà, j'ai pas du tout répondu à la question. Non, mais c'est hyper intéressant que tu viennes sur ça parce que ça va être une des premières discussions qu'on va avoir aussi. Est-ce que là où il existe des gens qui ont l'alcool mauvais, est-ce qu'il y a des gens qui ont l'alcool bon? Et ça, je pense que c'est déjà une bonne question pour ouvrir. Je me tourne vers mes invités pour savoir pourquoi est-ce qu'on commence l'alcool? Comment est-ce qu'on commence l'alcool la première fois?
Qui veut. Tu veux Claire. Alors, bah, pour faire comme tout le monde, puisque je pense qu'on est vraiment structuré, surtout en France, socialement par l'alcool. En fait, on veut faire partie du club des cools, donc on sort et on boit. Enfin, moi, en tout cas, étant bretonne, c'était vraiment. Enfin, c'était le passage obligé, en fait. C'était un rituel. Bon, déjà, moi, j'ai une famille de fêtards, donc très jeune, j'ai été confrontée à la fête. Et puis après, ça s'est accéléré quand j'étais dès 13-14 ans. Je ne sais pas laquelle était ma première bière. Et je pense que, en plus, pour les femmes, pour les filles, moi à l'époque, il y avait vraiment l'idée d'aller sur un territoire un peu masculin. En Bretagne, surtout, on était pas vraiment. On prenait comme ça une féminité qui était très outdoor, qui était de l'extérieur, on voulait boire comme les garçons, etc. Donc en fait, tout était vraiment très centré sur cette histoire d'apéro, qui à la fois, j'avais l'impression, définissait un peu notre féminité, masculinité, nos liens sociaux, etc. Et puis ça commence par du binge drinking. Et puis après, quand on vieillit, en fait, on se rend compte qu'on n'arrive plus à arrêter. Mm-hmm. C'est quelque chose que vous, dans lequel vous vous reconnaissez aussi autour de la table ? Sur le binge drinking, oui, mais sur le début, moi, ça a été un peu particulier parce que comme moi, dans ma famille, il y avait des problèmes d'alcool, j'avais ce truc, j'avais un prisme différent sur, sur cette substance. Et quand les premières teufs sont arrivées, quand j'étais à Nice et que j'ai vu mes potes commencer à se bourrer la gueule pour la première fois, et ben moi, je les jugeais un peu. J'étais un peu en mode, mais pourquoi vous faites ça et tout? Et je les voyais un peu devenir un peu débilos, quoi. Et vraiment, je voulais pas. Et je voulais pas tester ça et je voulais pas que ça me rende comme je voyais les gens, quoi. Et après, j'ai goûté et c'était incroyable. Après, j'ai fait des. Enfin, après, c'était mes années. J'ai eu des années étudiantes de ouf autour de ça parce que j'ai fait les soirées médecine qui sont les meilleures teufs où effectivement il y a plein de problèmes de binge drinking. C'est assez potache quand même. J'ai travaillé au Théâtre National de Nice où j'étais ouvreur, où il y avait tous les ouvreurs et ouvreuses. On avait un salaire. Il allait dans les bouteilles de vodka à l'Oxford à Nice le jeudi, le vendredi, le samedi. On a ça en commun à l'Oxford alors. Voilà. Ah oui, l'Oxford, t'as fait aussi. Incroyable. Pompéi. Oxford. Voilà, mais Oxford, ça fermait à 5h et c'était les bouteilles les moins chères de. Il y avait le Blue Waves derrière. Ah oui, il y avait le Blue Waves, bah il y avait des concerts et tout. Nice, c'est un problème aussi pour moi. Tout le monde est du sud d'ailleurs. En fait, toutes les villes, chaque fois qu'on parle d'une région, on dit ah, mais là-bas, ça boit bien. En fait, il n'y a pas une région de France sur laquelle tu peux pas dire ça. Non, les Bretons, c'est la catastrophe. En fait, je pense que chaque région a son alcool ou sa particularité. Non, mais c'est vrai que Nice, c'est pas du tout. Les Niçois sont pas des alcooliques en soi, c'est pas ça le truc. C'est vraiment que le vieux Nice, c'est un endroit où on écoute de la musique en se bourrant la gueule. Donc c'est là qu'on commence à sortir et comme plein de villes où il y a des vieux des bars. Voilà, moi j'ai la même chose, c'était pour être un mec, hein. Je voulais être un mec, j'étais pas bien dans ma peau, je me trouvais pas belle, grosse, voilà, tout ça. Et puis d'un coup tu te rends compte que tu peux aller rouler des pelles à tout le monde. Le problème c'est que j'ai bu et j'ai tout de suite fini en coma, enfin en tout cas j'étais bourrée, ivre morte tout de suite et ça n'a jamais changé. En fait, je n'ai jamais su boire. Jamais. Mais c'est rigolo, en plus, à cet âge-là, d'être ivre-mort. On en parle, on trouve ça marrant, même si on s'en fort intérieur, on ne trouve pas toujours ça très drôle, on ne se sent pas toujours très bien. Il y a un côté rigolo à dire « Ah putain, regarde machin, ce qu'il a encore fait. » C'est un peu des blagues qu'on se raconte. Oui, j'étais fière. C'est un exploit. Ouais, j'étais fière. Moi, il y avait vraiment le côté, en plus à l'époque, voilà, mais il y avait le côté jacasse un peu, en fait. Bien sûr. Vraiment, on buvait au maximum et on faisait des conneries. Que des conneries. Après, chez les filles, j'avais l'impression, en tout cas, moi, j'avais des problèmes déjà d'alimentation, parce que j'ai des problèmes d'anorexie, pardon, de mettre un truc un peu bas sur la table, mais c'est vrai que chez les filles, j'ai l'impression aussi qu'il y avait ce rapport-là. En tout cas, moi, ça a été très lié, en fait. Moi, je pense que c'est l'origine. Le rapport à l'alimentation et à l'alcool aussi, ça a été assez lié. Mais il y a eu un moment où, enfin, moi, en tout cas, je sais quand j'étais étudiante que j'ai commencé à boire parce que je buvais absolument pas au lycée. Je trouvais ça hyper glamour, cette idée de drinkorexie. Donc, où, en fait, je mangeais pas. Je me rappelle. Et toutes mes calories étaient dans l'alcool. Et vraiment, je pense que ça avait été. On va revenir de toute façon sur la pop culture, évidemment, et ce que ça nous dit sur l'alcool. Mais quand je voyais des personnages dans Skins, justement, qui étaient super trash et qui avaient à la fois des problèmes d'anorexie et d'alcoolisme, mais ça paraissait d'un espèce de trash un peu glamour, j'étais contente d'être comme ça, quoi. Mais on était dans une culture de l'excès, en fait. Bien sûr. C'est-à-dire que maintenant, on se posait les questions de la consommation, etc. Ouais. Mais nous, quand même, on a grandi.
grandi avec cette idée de l'ultra-conso, mais dans tout. Tout à fait. Et nos parents nous ont inculqué ça, en fait. C'était cool et rock'n'roll d'être excessif. Exactement. Mais même jusqu'à la maigreur. Enfin, mm-hmm. En fait, dans la mode, il fallait être ultra-maigre, il fallait être ultra-coquet. Enfin, en fait, c'était un peu ça, quand même. Maintenant, on n'est plus du tout dans ce genre de système. Mm-hmm. Mais, enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Il y a une libération de la jeune génération, c'est clair. Bah, disons que maintenant, on voit beaucoup... Alors, il y a vraiment à boire et à manger, mais on voit beaucoup même d'influenceurs, influenceuses, bien-être, bienveillance, tout ça, machin. Parfois, c'est un peu des trucs qui sont galvaudés jusqu'à vomir, parce que c'est un peu trop. Mais en tout cas, il y a vraiment une volonté sur le cœur. Bien sûr, ils boivent moins. Et baissent moins aussi. Pardon, et ils font moins l'amour. Ils font moins l'amour, ils se droguent plus, ils ne boivent plus. Ouais, ils font plus rien, ils sont très déprimés aussi. Ils sont très très chiants. J'ai l'impression qu'il y a un truc que nous, on était quand même assez nihilistes en fait. Enfin, j'ai l'impression que nous, on s'en foutait en fait de l'état du monde. C'était aussi une façon de faire la fête qui était très différente. Après, je pense que quand tu prends le confinement en pleine tête, en pleine adolescence, ça a dû être compliqué, franchement. Ah ouais. Ah bah, je pense qu'il y a beaucoup... moi, je vois mon frère qui a 25 ans, en fait. Je vois la différence. Lui, il est éco-anxieux. En fait, ils n'ont pas du tout le même rapport au réel, en fait. Ils ne peuvent pas n'en avoir rien à faire, en fait. Et je crois qu'ils ont envie d'être en couple aussi, d'être bien. Plus que, je pense que nous, on avait envie de passer de papillonner. C'est pour ça qu'on buvait aussi. Il y avait plein de, y avait beaucoup d'histoires d'amour, quoi. Bah, le truc, c'est qu'aussi, il faut comprendre quelque chose. C'est que moi, par exemple, j'avais 22 ans quand il y a MeToo qui sort. Ça a quand même changé quelque chose sur notre façon de consommer les autres, en fait. C'est hyper grave dit comme ça, mais c'est ça l'histoire, en fait. Et du coup, je pense que ça a forcément suscité une façon différente d'envisager... Quand on veut un consentement, de toute façon, l'alcool ne doit plus faire partie du truc. Mais on va en parler après, là. Ouais. On va parler amour et alcool, amour, alcool et sexe, tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment un profil d'alcoolique? Je vous pose la question autour de la table. Moi, je pense que l'addict, c'est un profil. Une fois qu'on découvre qu'on est addict, on est addict à tout, on est addict. En fait, on fonctionne pas de la même façon. Mmh. Et donc, il y a ce truc destructeur d'aller chercher quelque chose qui va en fait nous faire mal. Il y a personne qui a envie. Enfin, les gens normaux entre guillemets n'ont pas envie pour 5 minutes de plaisir de se taper 5 jours de bad. Personne n'a envie de faire ça, ni pour un gâteau, ni pour une ligne de coke. Donc, il y a vraiment ce truc-là d'accepter cette souffrance énorme pour ce petit truc de rien du tout. Et c'est surtout de pas savoir s'arrêter quand on commence. Et je pense qu'il y a un déficit de dopamine dans le cerveau de l'addict qui est cette personne-là, pour une raison ou pour une autre, a besoin d'aller le chercher en dehors de lui-même, puisque c'est le cerveau qui produit la dopamine. Donc Et cette idée du profil de l'alcoolique qui est en fait quelqu'un de classe populaire qui boit seul au bistrot, ou cette vision de la personne qui prend des drogues dures qui serait un mec qui prend du crack au fin fond d'un squat sordide. Elle est fausse. Mais en fait, c'est intéressant d'aller... Quand j'étais au AA, j'étais qu'une seule fois, je dois avouer, pour le livre, mais en fait, c'était drôle parce que je voyais des gens qui avaient... Les alcooliques anonymes, pour les personnes qui nous écoutent, t'inquiète. Et c'était intéressant parce que en fait il y avait plein de gens de plein de générations différentes et plein de classes sociales différentes, et j'étais un peu snob, j'étais là qu'est-ce que je fous là, etc. Alors que en fait nos histoires se ressemblaient étrangement. Et c'était il y avait un mec de 60 ans qui racontait son histoire, et j'avais l'impression que c'était la mienne. Et beaucoup de gens, quand j'écris mon livre, m'ont envoyé des messages en me disant mais j'ai l'impression que tu racontes ma vie, en fait. Et donc je pense qu'effectivement, alors je dirais pas une grande famille, mais il y a un truc de manque à l'origine. Alors est-ce que c'est manque affectif, enfin j'en sais rien, je suis pas psy, mais il y a un truc qui nous relie, en tout cas, qui est une souffrance, commune quotidienne. Et donc il n'y a pas de profil, non, et je pense que justement c'est une vraie bêtise de dire ça. Et pendant longtemps, c'est pour ça aussi qu'on s'est empêché de parler de problèmes d'alcool. C'est parce qu'on se figurait, on fantasmait un peu l'alcoolique, comme tu disais, le mec au bistrot à boire de la piquette, etc. Ce qui fait que tous les mecs qui buvaient du bon vin, ils se disaient pas alcooliques. Ils se disaient bon vivant, en fait. C'était vraiment l'étiquette parfaite. Donc épicurien, etc. Ou fêtard aussi. Moi, je me pensais fêtard, je ne pensais pas alcoolique. Donc c'est toute la zone grise, en fait, de l'alcoolisme, finalement. C'est l'alcoolisme qui présente bien, mais qui est aussi qui crée autant de ravages. Mais vous anticipez ma question, justement. J'allais vous demander, et je me tourne vers Maxime. Comment vous vous décriviez quand vous buviez? Est-ce que tu utilisais, toi, par exemple, Maxime, le terme de bon vivant, de fêtard? Mec cool. Moi, je sais pas si tu disais, je suis un mec cool. Non, mais alors moi, je disais que j'avais des. Enfin, ça a évolué, en fait. À un moment, j'ai compris que j'avais des problèmes d'alcool, et maintenant je dis que je suis addict. Et quand j'ai compris ça, je savais qu'il fallait que je règle le problème définitivement, que j'arriverais pas à
à boire modérément. Mais à quel moment l'alcool, justement, tu te rends compte que c'est plus drôle, en fait, et que c'est même plus festif? Une des premières fois où j'ai tilté que ça allait être un problème toute ma vie, c'était en couple, quand je me suis remis en couple après un long couple et que je faisais la fête avec ma partenaire et que je voyais que elle on se prenait une bouteille de vin ensemble et moi j'étais dans un truc de oh putain, quand est-ce qu'on se resserre le prochain verre et tout, il y avait vraiment, et je voyais que elle avait moins l'envie d'enchaîner les boissons, et donc là j'ai vraiment compris le truc on n'a pas le même truc dans le cerveau. Moi j'ai envie de me remplir plus vite le verre, quoi. Donc ça a été un moment où j'ai compris qu'est-ce que je disais? Non, je te demandais à quel moment tu te rends compte que c'est plus très très drôle, en fait, d'être un bon vivant et un mec qui stole. Parce qu'au début, ce qu'on disait, c'est rigolo d'avoir des anecdotes de soirée en mode je me suis fait mal, je me suis cassé la gueule, ou j'ai pécho machin, nanana, oh là là, t'as encore fait un truc improbable. Mais en fait, à quel moment ça devient récurrent et marrant? C'est quand tu as des problèmes avec ton entourage et que tu répètes un peu les mêmes schémas. Tu vois, moi, j'ai vraiment. Mes histoires d'amour, j'ai remarqué qu'elles démarraient un peu de la même façon, toujours un peu dans l'ivresse, c'est cool et tout. Et quand ça allait plus, il y avait aussi l'alcool, il y avait des disputes. Et ça se reproduisait, quoi. Donc au bout d'un moment il y avait les bons côtés qui étaient là, mais en fait dans ma vie ça me pose des soucis, les soucis reviennent, ça crée des situations où c'est désagréable pour mes proches et pour moi, je fais la part des choses et moi j'ai réussi à arrêter, en fait, quand j'étais en couple avec quelqu'un qui buvait pas du tout d'alcool, justement, où juste il y avait pas la tentation et pas le truc Si j'étais avec quelqu'un, juste avant j'étais avec quelqu'un, c'est vrai que je parle beaucoup de mes couples, mais j'étais avec quelqu'un qui, tu m'as dit ça. C'est bien. J'ai fait le confinement avec quelqu'un qui aimait bien l'ivresse tout comme moi, et c'était extraordinaire pour plein de points, mais c'était l'enfer pour plein d'autres points, quoi. Ouais. Et donc je savais que suivant mon entourage. Confiné en gueule de bois tous les jours, quoi. Bah ouais, donc il y avait qui était le premier à déglinguer la première bière, et après c'était trop cool parce qu'on dansait et tout machin, mais le lendemain, parfois on se réveillait, on se sentait embrouillé, on ne savait même plus pourquoi et tout, donc c'était. Et donc là j'ai compris que suivant mon entourage, ce truc-là allait être là tout le temps, quoi. Donc il fallait que j'évacue complètement le problème en apprenant à vivre sans alcool. Pour que ma vie, elle soit heureuse, et pour que mes proches, elles soient bien autour de moi. Et c'est intéressant que tu parles d'entourage, parce que justement, ça fait écho, je trouve, Claire, à ce que tu disais, au fait que le point commun qu'il peut y avoir entre toutes les personnes qui ont un problème avec l'alcool, qui sont alcooliques, en fait, c'est une espèce de faille intérieure dans laquelle les gens peuvent se retrouver. Est-ce que tu as déjà eu la sensation que justement tu finissais par t'entourer pour pouvoir avoir ces moments d'ivresse de personnes qui te ressemblaient et qui partageaient avec toi ce souci-là? Je sais pas si vous, mais moi, la sobriété, ça a restructuré ma vie sociale. De toute façon, on a même dans l'amitié, c'est-à-dire que j'avais vraiment des copains de comptoir, quoi. Mmh. C'est-à-dire que pendant des années, j'allais prendre l'apéro, je me rappelle, au Progrès, rue de Bretagne, à Paris. Ah, j'habitais à côté. Et on buvait, mais je sais pas combien de bouteilles, sans manger. En fait, et donc je pense que oui, je pense qu'on parlait même de l'amour tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, par exemple, le mec avec qui je suis maintenant, c'est la première personne avec qui j'ai fait l'amour sobre, et que j'ai rencontré sobre aussi. Mmh. Et c'est assez dingue quand on se dit que toute ma vie amoureuse a quand même été dirigée par l'alcool, c'est-à-dire que j'ai fait des choix amoureux uniquement, quasiment dirigés par l'alcool. Bien sûr. C'est-à-dire que toutes mes rencontres, j'étais bourrée, franchement. Mmh. C'est-à-dire que dès que j'allais vers un rendez-vous, j'étais bien sûre de m'en mettre 4 verres environ avant d'y aller, pour être un peu... Parce que moi, je suis assez timide, en fait, à l'origine. Et donc, quand je réfléchis à ça, c'est terrible. Je me dis, mais quand même, ça a dirigé ma vie sociale. Et maintenant, je vois que les gens qui sont autour de moi, il y en a plein qui sont restés de mon ancienne vie, mais il y a plein de nouvelles personnes aussi qui sont apparues. Et c'est des gens vraiment avec qui on a des relations très fortes et très vraies, quoi. Parce que quand on est sobre, on peut plus supporter la toxicité, en fait. Bien sûr, exactement. C'est-à-dire que l'alcool nous permet, en fait, finalement, d'être avec des mauvaises personnes,
personne pour les mauvaises raisons, parce qu'on boit, pour oublier. Alors que dès qu'on est sobre, en fait, c'est beaucoup moins possible. Oui, puis franchement, après quelques verres, on pourrait aussi parler avec un chien, avec un chapeau, quoi, tu vois. Ouais, et puis... Et rigoler avec lui, quoi. Oui, et puis c'est des non-conversations. En fait, ce qui intéresse, c'est plus la conversation, c'est boire, en fait. Ouais. C'est boire c'est ensemble. Boire, est-ce qu'on va faire bêtement sous alcool? Est-ce qui va se passer, machin. Ouais, même juste... Enfin, voilà, c'est la je sais pas quoi, mais, tu vois. Moi, j'arrive... Je continue à faire des apéros un peu dans des bars, mais il y a vraiment ce moment-là où je sais que c'est le moment où les gens, ils restent ici parce qu'ils sont dans l'ivresse et qu'ils continuent de parler de, alors que la soirée, elle était un peu déjà faite. Et c'est le moment où je me casse, quoi. Parce que... Ouais, parce que, ouais, effectivement... Ça fait tenir les soirées plus longtemps. C'est vrai. L'alcool. Ah bah ça c'est sûr. Et justement, la discussion que nous étions en train d'avoir est parfaitement connectée aux propos là, enfin qu'on va avoir sur. Alors je sais pas si c'est bien formulé, mais la peur de rater sa vie et non pas la peur de rater sa vie à cause de l'alcool et de toutes les conneries qu'on fait sous alcool, mais au contraire la peur de rater sa vie sociale et de passer à côté d'un pan de l'existence qui a l'air tellement cool. Parce que finalement, bah, arrêter de boire nous couperait de tout ça. Est-ce que quelqu'un veut parler de je veux bien. De ça. Ça m'intéresse. Non, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que je suis très branchée philo. En fait, c'est vraiment un truc qui est arrivé sur le tard parce que j'ai arrêté de boire et que ça a rempli ma vie de découvrir la philo. Et en fait, je sais qu'on devient philosophe à 40 ans, il paraît. Et je crois que la philosophie aide énormément à la sobriété. Ça va ensemble. Mm-hmm. Et donc, on n'a pas envie de cette sobriété, de ce minimalisme, de cette vie ascétique, entre guillemets. Mais on n'a pas envie de ça à un certain âge. Et je pense qu'il y a énormément de personnes qui nous écoutent et qui se disent « moi, pas une seconde, j'arrêterai », qui ont 20 ans, qui ont 25 ans. En tout cas, moi, à cet âge-là, c'était pas possible qu'on me dise « tu vas arrêter de boire », parce qu'en plus, je ne pensais pas une seconde avoir un problème. Je considérais vraiment être une fille rock'n'roll et je voulais être à l'image de mes idoles. Et c'est cool, en plus. C'est cool, mais surtout... Comme je faisais de la musique et que c'était de la petite chanson française, je voulais pas qu'on me voie comme une petite chanteuse française un peu sage et mignonne. Je voulais être Janis Joplin à la française. Et je pense honnêtement qu'il y a vraiment un moment de maturité qui fait que on ne veut plus de ce mode de vie. Et je crois que ce qui fait que soudainement on veut arrêter, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la fuite est plus douloureuse en fait que la réalité finalement. Exactement. Voilà. Alors après, non, après c'est intéressant, je me demande, mais enfin moi j'ai 40 ans, 41, je me demande si la jeune génération a envie aussi des mêmes choses et a envie d'être rock'n'roll comme on a envie de l'être. C'est ma question, je sais pas. Je crois que ça a un peu moins glamourisé, ouais. Parce que en fait, j'ai l'impression que il y a voilà encore une fois c'est une génération qui est un peu plus branchée sur le réel, qui a envie de changer les choses, pas toutes, pas entièrement, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un rapport justement philosophique au réel qui est assez différent d'une autre où nous on était une génération qui était quand même très qui a été élevée dans l'excès, dans l'ultra consommation, enfin et donc on avait vraiment cette fuite qui nous a été inculquée hein, et qu'on a suivi à la lettre, et qui était de notre façon à nous d'être rock'n'roll. Aujourd'hui, quand je regarde la jeune génération, même les assos qui se créent en soirée, comme Consenti, qui font attention à ce qui est du consentement entre les gens, etc., on voit que c'est plus... En fait, on crée des espaces safe, on crée plus des espaces excessifs, en fait. Ouais, bravo, donc, c'est vrai. Donc, je sais pas, hein, je me pose la question, est-ce que c'est plus facile d'arrêter dans cette époque qu'à la mienne, je ne sais pas. Nous, c'est sûr qu'on était tellement portés vers ça qu'à 20 ans, j'aurais pas pu arrêter. Ça t'aurait semblé inconcevable. On n'avait pas la conscience aussi du côté sain aussi, wellness. On n'avait pas cette conscience-là du tout, on voulait tout cramer aussi. C'était pas du tout une réflexion centrale. Ouais, exactement. Et le terme sobriété, d'ailleurs, est apparu récemment, mais en fait, nous, on ne parlait pas du tout de ça. En fait, tous nos idoles étaient excessives. Donc, il y avait de toute façon, c'était ça ou rien, en fait. Après, je pense que ça vaut le coup quand même de le mettre en question à n'importe quel âge aujourd'hui. Après, je ne sais pas si à 20 ans, tu peux arrêter comme aujourd'hui à 40. Moi, je sais que c'était quelque chose qui me faisait peur de plus avoir ma vie d'avant parce que j'aime beaucoup faire la fête. Et je sais que dans ma réflexion, il y a quand même le truc de... tous les trucs de un peu excessifs ou de folie, je les ai déjà cochés dans ma vie, de faire des méga teufs. Enfin, j'ai eu plein d'expériences qui font que maintenant je me dis bon, ça, je l'ai déjà fait. Donc si il y a quelqu'un qui me propose ce truc-là, je vais pas avoir le FOMO longtemps parce que j'ai coché entre guillemets ces trucs un peu fous et je sais ce que c'est. Et du coup, je les aurais vécus. Mais surtout, je suis hyper soulagé de me rendre compte que j'ai appris à m'amuser dans les endroits où je m'amusais là où je le faisais en dégommant la gueule, en allant dans des festoches où je prenais les
des pichets de vin, où on prenait des pintes avec les potes et tout. Et ben en fait là, cette année, je me suis aperçu que c'est l'année où j'ai fait le plus de festivals de ma vie, où j'ai apprécié trop tout ce que j'ai fait, parce que j'ai appris à me sentir plus à l'aise dans les endroits et apprécier les moments de musique où en fait c'est la musique qui me fait kiffer et que j'arrive à être dans ma folie à moi sans avoir besoin de me mettre dans un état d'ébriété pour atteindre un truc de bien-être que j'arrive à atteindre. Waouh, putain, je suis hyper mais est-ce que tu as eu l'impression du coup d'aller vers des choses plus qualitatives pour t'amuser et passer du bon temps là où avant avec l'alcool en fait Alors j'ai remarqué un truc assez fou, c'est que oui, effectivement, maintenant je sélectionne clairement plus mes moments, alors qu'avant j'allais à des endroits en me disant wow, franchement j'ai pas forcément envie d'y aller à cet endroit-là, mais de toute manière il y aura l'alcool donc ça va passer quoi. Et je me suis aperçu que j'ai dit non à des invitations, à des crémaillères ou à des trucs comme ça. Là où à l'époque, avant, j'y allais dans tous les cas, parce que de toute manière, je me suis dit, oh, peut-être je vais me faire chier, peut-être je sais pas, mais de toute manière, je vais boire, donc ça va passer, quoi. Et donc, je me suis aperçu que. Et au final, j'aurais perdu mon temps, quoi. Enfin, juste, non. Enfin, et les gens, pas été aussi, important, quoi. Le nombre de personnes qu'on voyait en se disant, elles vont être sympas parce qu'on aura bu, mais ouais. En fait, des gens qu'on trouve cons, en fait, ils sont. En fait, finalement, quand t'as pas bu, ça change plus, quoi. Ils sont vraiment pas pour toi ces gens-là, et ce qui est fabuleux c'est que finalement tu peux plus supporter de voir des gens, et il y a vraiment une histoire d'honnêteté, de vérité, ouais. de quelque chose de plus qui est un peu fatigante. Ouais, c'est fatigant aussi, hein. Parce que la personne que tu ne supportes pas à jeun, et tu vas pas être bourré, donc tu vas pas la supporter toute la soirée pour de bon. Donc c'est vrai que tu passes moins longtemps et ça t'évite de lui raconter tes secrets en plus. Non mais ouais. Je trouve qu'on va vers la qualité, on va vers la qualité des gens, des endroits et des choses même qu'on mange, parce que souvent quand tu bois tu manges souvent n'importe quoi juste après ça change tout. Cet été cet hiver pendant les fêtes je suis tombé sur un maître tunnelier et c'était l'enfer, c'était quelqu'un qui avait un maître tunnelier, je sais plus l'expression, elle a tourné au festival. Quelqu'un qui met des énormes tunnels. Qui boit de l'alcool et qui un te... Un tunnel, c'est quelqu'un qui... C'est pour ça que l'émission s'appelle Tunnel, oui, c'est quelqu'un qui te tient la jambe et qui te lâche pas. Et toi, t'es là, tu fais des signes aux gens, genre, s'il vous plaît. C'est la patate chaude de la soirée. Tunnel. C'est une expression qui vient d'où, du coup? Belgique, surtout, le tunnel. Non, on le disait beaucoup à Bruxelles, mais après... D'accord, ok. Ça, c'est cool, c'est le truc le plus compliqué maintenant à gérer en soirée, c'est d'esquiver les maîtres tunneliers. Moi, j'étais une tunnelière et on m'appelait la patate chaude. Ah oui, c'est-à-dire que les gens se la refoulaient et puis surtout à de 4 à 7, il fallait que je continue à sortir. Il y avait toujours une copine qui était là à dire qui est-ce qui se tape le 4 à 7 avec la... C'était l'enfer. Et ce réveil, et le réveil du lendemain. Moi, ça vraiment. Mais tu veux repousser le réveil aussi. Le gros. Parce que après, c'est fatigant parfois d'être branché, je trouve toujours au réel et tout. Enfin, ça, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, le petit plaisir de me réveiller et de ne pas avoir honte, quand même, ça, c'est. Moi, mais le nombre de situations dans lesquelles je me suis mise. Et puis, c'est pareil, vraiment, je déblatérais, je lâchais tout. Enfin, c'était vraiment. Je chantais, alors je chante très mal. Et on nous raconte les soirées. Ouais, et puis même moi, au réveil, tu vois. Tu t'en souvenais pas, ouais. Puis il y a ces réveils où tu te rappelles avoir parlé d'un sujet super intime mais tu sais plus à qui, ou ce réveil où tu te rappelles avoir parlé à quelqu'un que tu connais pas forcément ou que t'aimes pas forcément trop et tu sais plus de quoi. Mmh. Et là tout ça englué dans la gueule de bois de l'enfer. J'ai fait bien pire que dire des choses qu'il fallait pas dire. Franchement, le lendemain matin, je m'apercevais que j'avais pas mis la clé dans la bonne serrure, donc j'arrivais pas à rentrer chez moi, donc j'avais pété une fenêtre pour rentrer chez quelqu'un, mais j'avais atterri chez des voisins, mais des trucs, tu te réveilles, t'es pas chez toi, t'as cassé la fenêtre et tu crois vraiment que t'es chez toi et tu te dis mais qui suis-je? Mais là on peut se mettre d'accord sur le fait que l'alcool ne nous allait pas forcément très très bien, parce qu'on utilise donc souvent cette expression avoir l'alcool mauvais, donc qui englobe avoir l'alcool triste, s'énerver sous l'alcool, etc. tout ça, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens à qui ça va? Est-ce qu'on peut boire à répétition sans vraiment rencontrer de problème avec l'alcool? Moi j'en connais pas mal. Bah déjà, il y a des alcooliques qui savent qu'ils sont alcooliques. Alors, pour la santé, c'est mauvais, mais les gars sont vraiment heureux. Et ces gens-là, moi, j'ai pas envie d'y toucher. Je veux dire, ils aiment boire, ils boivent de midi jusqu'au soir, ils se couchent, ils font tout avec de l'alcool. Souvent, on se rend compte aujourd'hui qu'il y avait un trouble déficitaire de l'attention ou un trouble borderline, un trouble bipolaire. Et donc, en fait, il y a une automédication qu'on a tous fait. En fait, on s'adapte comme on peut à des choses. Et ces gens-là, en fait, s'ils ont pas leur alcool, ils sont pas bien. Alors, évidemment, moi, ces gens-là, je pense qu'il y a pas de souci. À part la santé, c'est eux qui voient
voient s'ils ont envie de mourir jeune ou tard. Mais c'est pas des gens qui se mettent ivrement, voilà, qui font de la merde, quoi. L'alcool mauvais, c'est horrible. L'alcool relou, c'est la patate chaude, le tunnelier. Là, c'est l'enfer. Mais je pense que le pire, c'est vraiment l'alcool, et moi, c'était la drogue aussi, qui rend suicidaire. Moi, je voulais mourir. Donc, c'est la seule raison pour laquelle j'ai arrêté. C'est que j'ai un enfant. Et je pense que je me serais tuée, vraiment, si j'avais pas eu mon fils, hein, clairement. Et donc, je me suis dit, t'as le devoir de rester vivante. Et c'était pas l'alcool qui allait me tuer, c'est moi qui allais me tuer. C'est bizarre. Cette histoire d'alcool mauvais, j'ai jamais su, en fait. Pour être honnête, j'en sais rien. Moi, c'est sûr qu'il y avait une part d'autodestruction, en tout cas, dans mon exercice, comme toi, de l'alcool. Donc, à partir de là, ça aurait pu être de l'alcool, ça aurait pu être n'importe quoi. En fait, le problème, c'était l'autodestruction. Et c'est ça, en fait, le vrai problème. C'est-à-dire que quand on arrête de boire, c'est que le début du travail, parce qu'après, on découvre pourquoi, en fait, on a bu. Et je pense que... En fait, on te dit, si tu veux savoir pourquoi tu bois, arrête de boire. Ouais, exactement. Mais c'est vrai. Mais nous, c'est pas une... En fait, c'est une activité, mais... Enfin, pour certaines personnes, c'est une activité, mais pour moi, c'était un exercice d'autodestruction. Mais on parle quand même du fait d'ingérer une substance toxique pour altérer son cerveau, son jugement, tout. Donc, en fait, moi, j'ai l'impression qu'on a vraiment acté que c'était un truc normal. Mais c'est vrai que je me mets des tunnels toute seule dans ma tête depuis que j'ai arrêté de boire. Non, mais... Mais du coup, là, au plus ça va, au plus je vois des gens autour de moi qui sont quand même sains, équilibrés, qui boivent un petit peu, machin. Et je me dis, mais en fait, pourquoi même ces gens, ils font ça? C'est quand même fou. Si tu décomposes vraiment le fait de boire, mais tu vois. Tout est fou, l'humanité est folle. Oui, parce qu'on a... c'est vrai, je trouve que c'est ça pire que tout le reste. C'est parce que c'est trop dur de vivre. En fait, quand t'es sobre, c'est trop dur de vivre. Non, mais quand t'es sobre, tu te rends compte à quel point c'est hyper dur d'être branché en permanence au réel, quand même. Totalement. C'est-à-dire que, en fait, tu comprends pourquoi les gens boivent. C'est-à-dire que, honnêtement, quand t'as plus de filtre à la réalité, c'est quand même. Enfin, là, on parle beaucoup de la sobriété joyeuse, etc. Et c'est chouette. C'est vrai que c'est chouette, mais c'est aussi assez difficile, je trouve. Moi, je me suis rendu compte en vacances que je pense que je buvais aussi pour tuer le temps. Et par exemple, on parle de sobriété en termes généraux, c'est-à-dire par exemple, quand tu dépenses ton argent, quand tu fais des achats compulsifs, en fait, ça prend beaucoup de temps de dépenser ton argent, de boire, de consommer prend énormément de temps. Et ça, les gens, en fait, ils veulent tuer le temps. Et ce qui est fou, c'est qu'on a peur de mourir, mais l'activité principale de l'être humain, c'est tuer le temps. Et quand tu arrêtes de boire ou que tu arrêtes de dépenser de l'argent, alors moi, c'était par la force des choses, j'étais obligée d'arrêter de dépenser de l'argent et arrêter de boire. D'un coup, t'as un temps fou. Et là, c'est là où c'est le vide intersidéral. Mais si t'as pas envie de te tirer une balle, il va falloir l'occuper, ce temps. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est à partir de ce moment-là où ça devient intéressant, en fait. Tu lis de la philo. Mais moi, je sais que, par exemple, j'avais vraiment ce truc, si j'étais en soirée et que je m'ennuyais parce que vraiment, il se passait rien, il n'y avait pas forcément de gens intéressants et tout. Je me disais, OK, au lieu de me dire, rentre chez toi, je restais, je me disais, bon, bah, je vais aller boire un shot. Commande des shots. J'adorais les shots. Bah, j'étais vraiment connue pour ça, pour adorer les shots, pareil, dans l'espoir qu'il se passe quelque chose, exactement, d'intéressant qui va un peu rompre. Alors en plus, j'avais cette relation extrêmement malsaine au travail qui faisait qu'en fait je voyais mes potes très rarement et que j'avais une vie qui n'était pas du tout normale pour mon âge parce que je bossais trop, parce que je me retrouvais sur les plateaux télé et à vivre des expériences qui n'étaient pas du tout normal et que de ton âge. Et oui, et que je pouvais pas aussi dont je pouvais pas discuter avec mes potes parce qu'ils comprenaient pas. Donc moi, en fait, j'avais qu'une envie, c'était me mettre mal et pouvoir tunnel tout le monde. mais du coup, en fait, ouais, j'avais vraiment ce truc en mode on va boire et on verra bien ce qui va se passer. Mais attention, et tu as comme raison. C'est comme ça que tu finis en blackout. Parce que non seulement tu vas voir ce qui va se passer, mais surtout tu déclenches quelque chose. Moi, je sais que quand je buvais, en fait, souvent on m'invitait. Les gens avaient envie que je sois là parce que en fait, si t'es pas là, il se passe rien. Mais il y a une question intéressante aussi, c'est finalement nous, on a appris que c'était un pansement un peu national. Finalement, c'est ça qui nous a jeté dans les bras de l'alcool. Qu'est-ce qu'il en serait si c'était différent? Un anxiolytique. Parce que, comme tu dis, c'est assez fou quand on y pense que, en fait, maintenant, la normalité, ce soit de boire. Parce que c'est quand même ça, en fait. C'est comme une sorte de lâcher-prise nationale où tout le monde a le droit de faire n'importe quoi et de boire autant de verres qu'il veut. Et tout le monde trouve ça OK. Mais qu'est-ce qu'il en serait si c'était différent, si on avait d'autres pansements, en fait? Parce que moi, j'ai l'impression que, quand même, quand tu demandais est-ce que des gens boivent bien et d'autres mauvais, mal, on l'alcool mauvais ou bon, les trois quarts des gens autour de moi ont quand même des gros problèmes d'alcool. même s'ils s'en cachent ou pas, et ça réussit pas à grand monde quand même. Je vois personne qui devient plus intelligent en buvant. Enfin, ou en tout cas, alors après, l'objectif n'est pas de sauver le monde en permanence, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont relous en buvant. En fait, quand même, plus tu es intelligent, plus tu souffres. Donc il y a aussi ça, il faut faire attention. Bien sûr. Faut faire attention à l'intelligence. En parlant de moi, est-ce que. non, moi, par rapport à ça, j'ai remarqué un truc, c'est que, bon, moi, j'ai eu des périodes où là, j'étais trop mal. Pardon, je sais pas si vous avez remarqué. Non, ce que je voulais dire, je voulais dire un truc super sérieux en plus. C'est que pendant, j'ai fait plusieurs thérapies pour aller mieux parce que j'étais dans un mal-être de la vie, parce que j'ai eu des moments durs et tout. Mais quand je faisais mes thérapies,
je savais que j'avais un problème d'alcool, mais à aucun moment je parlais à mes thérapeutes que je voulais le régler, parce que heureusement que j'avais ces moments d'alcool où j'étais avec des gens, et parce que c'était les seuls moments où je retrouvais un petit peu la légèreté de la vie sur le moment, et où je profitais de mon truc social, et j'ai pu faire un trait sur l'alcool, en tout cas faire un arrêt long, au moment où j'avais réglé tous mes doses de santé mentale et de je suis pas bien dans mes baskets, pour pouvoir enlever ce truc qui était quand même hyper agréable pour oublier les soucis rapidement, quoi. Mais en fait, l'alcool, c'est une solution avant de devenir un problème. Et je pense que si on n'avait pas eu l'alcool, nous tous, on serait peut-être morts avant. Mais t'as le petit palliatif, en fait, au souci, mais après, effectivement, en fait... Au début, c'est une solution. Il faut enlever le pansement à un moment, et... Mais c'est vrai que le moment où t'arrêtes de boire, les premières semaines, les premiers mois, c'est quand même compliqué, on en parlait tout à l'heure pendant les musiques, c'est quand même très compliqué de ne plus avoir ce palliatif, et t'es face à un espèce de vide. Mais Maxime, il y a une question qui me vient aussi. Toi, ta tête est quand même très connue du grand public parce que YouTube, tout ça. Ça t'a jamais inquiété aussi le fait de pouvoir te mettre des mines potentiellement dans des bars, donc où tu peux croiser des gens qui te suivent, etc., et de pouvoir être bourré devant eux? C'est une vraie question. Hein. Alors, Est-ce que t'en as pas parlé dans la vidéo, par exemple? Ouais, ouais, non, c'est vrai que quand j'allais, en fait. Quand j'allais dans des bars avec les copains, ça me stressait pas trop, mais c'est vrai que dans les festivals ou quoi, l'alcool c'était non, je réfléchis, mais c'était quelque chose avec lequel j'étais à l'aise, mais effectivement je faisais gaffe à attendre un certain moment au cas où les gens me reconnaissaient, ou les moments où il fait noir, où on me demandait plus trop de selfies et tout, mais j'arrivais quand même à rester dans une vibe, mais c'est faux parce que non, ça m'est arrivé de dépasser la limite et que des gens m'ont vu, mais c'est vrai que ça m'a fait un peu tilter ça quand j'allais au festival de Cannes et que je voyais des artistes que je connaissais de ouf, je les croisais à 5h du matin complètement éclatasses. Ah ben oui. Et je me suis clairement dit, ok, si tu continues à avoir une vie publique, Maxime, et que tu sais que l'alcool est plus fort que toi et que toute ta vie, il t'arrivera des moments où t'arriveras pas à t'arrêter, ben moi en fait je veux pas... J'ai un problème avec le regard des autres et je veux pas que les autres ils me voient dans cet état-là. Ouais, et donc ça a été une vraie démarche dans ma remontada de ok, je continue à être une personnalité publique, je continue à faire des projets et tout ça, à un moment où je me posais des questions parce que j'y arrivais plus. Mais effectivement, ça a été une vraie question de il faut que je sois sobre parce que je veux pas avoir des photos de moi comme ça dans public. Ce que je trouve assez central dans cette question de l'alcool et cette culture de l'alcool même en France, c'est cette impression en fait d'une obligation de boire pour créer des liens. On le disait tantôt, il y a quand même un truc, c'est des liens assez superficiels, concrets, avec des gens qu'on n'apprécie pas forcément, mais en tout cas c'est nos potes d'alcool. Mais est-ce que vous avez déjà eu l'impression en fait que l'alcool vous connectait mieux aux autres et que vous arriviez à faire des connexions que vous ne pourriez pas faire sinon? Moi complètement. En tout cas, j'ai longtemps dit que tous les gens que j'avais rencontrés la nuit, alors moi j'avais une addiction à la nuit aussi, tous les gens que j'avais rencontrés la nuit, pour moi c'est vrai que c'est devenu aujourd'hui des gens très proches. Je pense que j'étais la plus déglinguée de tous mes amis, donc finalement j'ai pas eu à me séparer de gens. Je pense que c'était moi le boulet de la bande. mais vraiment j'ai eu des relations très très fortes. Il y a un seul problème, c'est vraiment ce faire l'amour, quoi. Vraiment, premier truc qui m'a fait flipper quand j'ai arrêté de boire, c'est comment est-ce que je vais faire l'amour sobrement, vraiment. Et c'est une vraie question, comment est-ce qu'on date et comment est-ce qu'on pécho quand on est sobre? J'ai pas eu, et j'ai qu'on pas est eu habitué à faire toutes ces premières fois. J'ai pas eu à dater, j'ai eu cette chance-là que j'ai arrêté de boire et de me droguer au moment où j'étais avec la personne avec qui je suis encore aujourd'hui, même s'il y a eu beaucoup de va-et-vient. Mais d'ailleurs, quand il y avait des va, j'avais aucune envie de dater sobre. Hein. Clairement, c'est pas un truc que j'ai envie de faire. Voilà, je préfère le dire. Toi, Maxime, t'en parles dans cette longue vidéo justement qu'on évoquait en intro, du fait d'aller dater sobre quand on n'est pas habitué. C'est comment? C'est l'enfer total. Merci. C'est un cauchemar de tout le monde est timide parce que du coup moi quand je fais des dates, les personnes ils boivent pas d'alcool avec moi, et du coup on est tous les deux dans un truc de oh là là, on n'ose pas faire le premier pas, mais on sait pas trop et comment, et les premiers bisous, c'est... Est-ce qu'il vaut pas mieux que l'autre boive quand même? Bah alors c'est rigolo, ouais, parce que là j'ai eu un premier date il y a pas longtemps, et en fait ça s'est créé parce que la personne a été un petit peu
elle avait un peu bu et du coup elle m'a proposé d'aller boire un autre verre et du coup elle a bu des limonades avec moi, mais elle m'a dit qu'elle avait osé me proposer d'aller boire un verre parce qu'elle était un peu ivre et que sinon elle était un peu tipsy, sinon elle n'aurait pas eu la démarche. Donc il faut que c'est chaud d'être célibataire quand on c'est dur hein. Mais t'es là, tu dois dater sans c'est horrible, mais après j'en ai des frissons. Mais pour rassurer un peu les gens, après tout reprend son cours normal, je veux dire, dès que le icebreaker bisou baby maker est passé, après ça roule vraiment tout. Mais c'est juste ce premier moment, j'ai fait combien de bises pendant tu fais la bise et t'es là je pensais qu'il fallait qu'on s'embrasse normalement, si t'as quelqu'un dans le cornet, tu t'embrasses, tu vois, ça va vite. Peut-être mais qu'on l'aurait fait alors qu'il fallait pas, remarque. Non, mais c'est un truc de. C'est vrai que toutes mes histoires d'amour ont commencé bourrées, donc je me dis, c'est vrai que quelque part, on a besoin de ça. Aujourd'hui, à mon âge, je pense que si je devais être seule, je m'en sortirais très bien. Ouais, mais combien de mauvaises histoires d'amour commencent avec l'alcool aussi ? Parce que moi, c'est ce que je me suis dit à un moment donné. C'est que, du coup, pour moi, le fait d'aller dater, mais vraiment pire épreuve de ma vie. Mais dans le même temps, ça fait des mois que j'ai pas eu le truc de. Répondre à des mecs à 2h du matin, à des messages. Tu fais le tri dans le téléphone. De se dire, tiens, si j'envoyais un message bourré à un ex, ou ce mec super toxique qui va entrer dans le bar, il faut absolument que j'aille lui parler parce que je pense que c'est la meilleure idée. C'est le meilleur truc à faire maintenant. T'as plus tout ça en fait. Et donc, du coup, tu vas avoir des gens qui te plaisent vraiment, et c'est d'autant plus stressant parce que quand quelqu'un te plaît vraiment, t'as vraiment la pression, tu vois. Alors que ce mec toxique. Je pense que c'est le problème de la vérité un peu de la sobriété en fait. C'est-à-dire que en fait, t'es toi-même. Moi, je me suis découverte hyper timide. Enfin, je savais que j'avais une petite phobie sociale et une timidité qui me faisait boire, paradoxalement. Une meuf cool. Voilà. C'est dur de quitter ce statut aussi. Mais du coup, mes rapports étaient un peu particuliers parce que je buvais pour me rapprocher des gens. En même temps, j'y arrivais pas vraiment, je pense. Et finalement, en fait, j'ai mieux rencontré les personnes l'après-midi ou à déjeuner. C'est marrant, beaucoup de mes potes maintenant me donnent des rendez-vous à des déjeuners. Ouais. Parce que peut-être que c'est ceux qui n'arrivent pas encore à pas boire à l'apéro. Et c'est intéressant parce que les gens ne boivent pas avec toi ? Si, bien sûr. Bien sûr. Moi, il n'y a aucun problème. On peut emmener du vin chez moi. J'ai aucun problème avec ça. Mais peut-être qu'ils se disent ça. En tout cas, j'ai plein de rendez-vous à déjeuner. Et après, on va marcher ou des choses comme ça. C'est l'âge, je crois, en fait. Alors, c'est peut-être le vieil âge. Je fais ça. Je déjeune et je marche. C'est mon nouveau truc. Non, mais la nature, le rapport à la nature, ça, c'est autre chose. Mais c'est un truc aussi, un peu la fanerie et tout. Bon, là, c'est et puis, on a plus envie. On a plus envie avec une copine. Moi, j'ai l'impression qu'avec une copine, j'ai plus envie de déjeuner et d'aller me balader que d'aller me poser un café, à boire un café ou coca sur coca. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais tu fais d'autres choses, mais tu réapprends tout même. Je trouve que moi, avec mon mec, par exemple, on est tous les deux sobres et on a vraiment tout réappris quoi, dans la relation. Tu réapprends tous les pans de ta vie, j'ai l'impression. Bah, il faut occuper surtout tous les pans. Ouais, mais il faut aussi casser l'inhibition. Enfin, moi, qui suis un peu inhibée, c'était dur, quoi. Comme toi, enfin, tu vois, moi, j'ai eu beaucoup de mal à. Mais même, je me suis redécouverte, en fait. Bien sûr. C'est-à-dire que je me rendais compte que je me faisais violence sur énormément de choses. Qu'en fait, j'étais pas si extravertie que ça, j'étais pas si machin. Et en fait, mais du coup, j'ai découvert la vraie moi et c'était pas toujours facile parce que je me suis dit, en fait, je suis comme ça. Je m'étais créé un peu un personnage avec l'alcool, en vrai. Et vous dansez. Un personnage social aussi. Vous arrivez à danser, à faire des trucs impossible. Ah ouais. Moi j'ai jamais dansé. Donc ah oui, d'accord. Moi j'aime pas danser, mais justement l'alcool ça m'arrangeait parce que du coup j'étais dans la team qui met des tunnels, tu sais, en fumant des clopes, en buvant des verres. Du coup maintenant je suis en mode je danse pas ni ça, je danse encore moins d'ailleurs puisque je bois plus. Je bois plus. Moi, je trouve si j'arrête de fumer des clopes, je suis dans la merde. Enfin, tu vois, il y a tout. Moi, je trouve ça hyper cool les gens qui dansent pas. Je suis désolée. Hein. Ah ouais. Je suis désolée pour les danseurs. Moi, j'adore danser sans alcool parce que en fait, j'ai fait beaucoup de danse et en fait, je retrouve un peu la sensation physique. Et en fait, tu peux rentrer dans une forme de transe à un moment donné, juste avec la musique. Alors au début, t'es un peu coincé et tout, surtout tout le monde est bourré, donc tout le monde y va à fond et tout, le monde se renverse les verres dessus et toi, t'es mais là. Du coup, personne te calcule en même temps. Donc non, c'est cool. Vrai. Et en fait, t'es pas aussi dans la danse que j'appelle, tu sais, la danse du verre renversé, quoi, où en fait, tu tombes sur les autres. L'enfer. C'est-à-dire qu'en fait, tu danses vraiment physiquement et en fait, c'est une autre forme de, je sais pas, de plaisir en fait. Mais je trouve qu'il faut passer la glace, quoi. Le tu moment, danses beaucoup du coup. En fait, les soirées où je vais, où je reste longtemps, c'est parce qu'à un moment il y a de la musique et je continue à rester avec les gens parce que j'ai appris
à me libérer, à plus être stressé de danser devant du monde et tout. Alors qu'avant, il fallait que je sois un peu ivre pour oser faire ça. Et j'étais trop jaloux des gens qui dansaient tous comme ça. Et maintenant, je fais partie de ces gens-là. Mais j'ai dû apprendre à me lancer. Et parce que j'ai plus confiance en moi maintenant, parce que je débloquais les trucs dans mon petit cerveau. Quoi. Mais parce qu'on en parlait, le fait de consommer l'alcool aussi peut être beaucoup lié à la timidité. Et du coup, il faut quand même une sacrée confiance pour réussir à aller danser devant les gens, en plus en étant pleinement conscient de ce que tu fais et tout. C'est hyper cool, je trouve. T'inquiète pas, ça viendra. Il suffit un peu de sortir de sa zone de confort. Et ça a été plus facile d'apprendre à danser ou d'apprendre à dater? Je suis encore en train d'apprendre à dater parce que ça fait que 3 ans que je bois plus d'alcool. J'ai peur en fait que ça soit tout le temps la même galère là. T'es célibataire pour là. Je vois quelqu'un en ce moment. Ah d'accord, mais j'allais te dire 3 ans sans alcool, 3 ans de célibat. Est-ce que c'est vraiment une coïncidence? J'ai fait beaucoup moins de dates. Par contre, j'ai fait beaucoup moins de dates que mes années précédentes. Oui, c'est ça. Mais je voudrais vraiment dire aux gens qu'après tout ce qui se passe dans l'intimité et tout, tout va bien. Et même les sensations sont folles. Et se dire waouh, putain, on a pris de la drogue ou quoi? Et non, même pas. C'est juste qu'on est connecté. Et voilà. Bien sûr. Ouais, t'es plus connecté, ça c'est sûr. Ouais, voilà. Donc, c'est vrai, hein, parce que l'alcool, finalement, tu pourrais. Être n'importe qui. Ouais, exactement. Pardon, j'allais le dire, mais il y a des partenaires, honnêtement, ça aurait pu être n'importe qui. Après, il y a des drogues qui fonctionnent mieux que l'alcool pour le sexe, hein, on va pas se mentir. Oui, alors ça, ce n'est pas recommandé par le ministère de la Santé, tout ça. Moi, je ne les ai pas prises, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens. Aujourd'hui, la drogue du sexe, c'est un peu la MD, je pense, ou la 3, la 3MMC, les trucs du chemsex, tout ça. Oui, après, la MD, tu ne te souviens pas. Mais en tout cas, parce qu'il n'y a pas besoin de... J'ai découvert plein de... Enfin bref, pas besoin de ça pour vivre des super connexions. Mais en fait, moi je pense que tout est rattaché aussi à cette question que justement les choses qu'on fait, elles sont vraies, on sait que c'est vraiment nous. Et on ne peut plus se cacher derrière le « j'ai fait ça parce que j'étais bourré ». Et le lendemain, même après 2 bières, il y a plein de gens qui sont PDG de cette attitude. Ils sont là maintenant, je ne me rappelle pas. Tu fais genre, tu ne te rappelles pas. Non, tu t'excuses aussi, mais tu dis « c'était pas moi ». Alors que là, c'est toi, en fait. Si t'as dit une saloperie, c'est toi. Oui, c'est ça qui est pire. Tu découvres qu'en fait, t'es pas mieux parfois. C'est vrai, des fois, t'es pas mieux. Même un bad date où il y a eu 2 bières, tu vois, tu t'es embrassé, je sais pas quoi. Et le lendemain, t'es un peu en mode, tu fais genre que rien ne s'est... Alors qu'en fait, non, t'as bu 2 bières. Enfin, t'étais pas non plus... Et du coup, je trouve que le fait que tout devienne vrai, ça rend tout très sérieux. C'est difficile, ça aussi, quoi. C'est complexe. Ouais, tu pouvais faire comme si rien ne s'était passé, alors que si t'as embrassé quelqu'un sobre, t'es obligé de lui dire « Écoute, je suis pas sûre qu'en fait on va continuer. » T'es obligé d'être honnête et sincère quand même. Ce qui est dur. Mmh. Oui. Non mais c'est vrai, parfois tu te demandes pourquoi tu fais ça aussi. Ouais. Non mais c'est des questions, je me dis quand même, c'est difficile parfois. En tout cas, moi, il y a un truc dont je suis sûre, c'est que la sobriété, ce mot-là, il est un peu trop puissant. Mais je veux dire, le fait d'arrêter de prendre des produits qui transforment le comportement permet tout simplement d'aller enfin soigner les vraies choses. Mmh. Parce que en fait, tout simplement, à chaque fois que tu as une émotion... tu l'assommes. Après, moi, je me suis retrouvée face à des émotions que je ne gérais pas. Donc, c'est là où on se met à bouffer, c'est là où on fait d'autres choses, où on fume pas club sur club. Mais si, moi, par mon psy, un jour, je voulais vapoter. Il m'a dit non, on n'est pas là pour anesthésier les émotions. Et ça m'a marqué. Je dis attends, c'est une vapoteuse sans nicotine, tu vois. Et en fait, il a raison. On est là, si on mange des chips, si on prend des trucs chez le psy et tout, en fait, on va pas être. Et en fait, tu peux commencer à travailler sur toi à partir du moment où t'enlèves tout ça. Mmh. Et c'est ça qui devient intéressant. Parce que, en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt, la bouteille. Une fois que t'enlèves la bouteille, t'as une forêt à abattre. C'est la clairvoyance. Voilà. En fait. Mais c'est la clairvoyance, et puis t'es plus dans la même énergie non plus. C'est-à-dire qu'avant, tu buvais aussi pour te rendre les choses supportables. Exactement. Et une fois que tu bois plus, t'es obligé de changer les choses. Enfin, c'est un peu con de dire ça, mais en fait, moi, avant, je pouvais passer une journée pourrie, je me dis, c'est pas grave, il y a l'apéro, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, je suis obligée de faire en sorte que ma journée soit pas trop pourrie. Acceptable. Parce que, en fait. Tu procrastines moins aussi, donc tu fais les choses directement. Ouais, voilà. Sans me mettre la pression non plus d'être ultra productiviste, parce que ça, c'est un peu, je trouve, l'effet inverse aussi, où tu te dis tout d'un coup, ça y est, de devenir, tu vois, et faut pas non plus, faut s'octroyer, je trouve, de la glande. Enfin, en fait, il faut quand même rester dans quelque chose d'agréable. Attends, mais l'apéro, des fois aussi, peut être sympa parce que moi, je me rends compte qu'avec des copines, en fait, qui boivent moins avec moi maintenant, du coup, moi qui bois pas, et je me retrouve à avoir des discussions, des vrais trucs dont on se souvient et on rentre beaucoup plus en profondeur dans les sujets. C'est quelques verres, en fait, il faut savoir s'arrêter à ces quelques verres aussi, c'est ça le problème. Non, sans rien. Sans alcool. Ah oui. Bah oui, après, moi, de toute façon, si je bois un verre, j'en bois 20.
terrain, c'est ça le problème. Mais en fait, moi, je sais que le raisonnement dont j'ai beaucoup parlé sur Insta d'ailleurs, et c'est, on en parlait avant l'émission, ce que je disais, moi j'essaie d'aller vraiment dans la précision, comme vous avez tous pu le faire à travers vos différents travaux, d'aller dans la précision pour que les gens se disent « Ah bah oui, moi je le fais aussi ». Et en fait, ce que j'ai expliqué, c'est que très souvent l'alcool, on en parlait en tout début d'émission, il survient dans nos vies au moment de l'adolescence ou de la fin d'adolescence. Du coup, on rentre les deux pieds dans l'âge adulte avec l'alcool. Donc on apprend en tant qu'adulte à gérer sa vie avec l'alcool, à gérer les épreuves, à gérer la tristesse, à gérer les joies aussi, à gérer toute transition, à gérer même ne serait-ce que la visite d'un pote pour le week-end, bah, il faut se désosser alors qu'en fait juste tu pourrais profiter et être tranquille. Et du coup je me suis dit bah, ok, j'ai envie de voir comment est la vie sans. Mais c'était vraiment enlever des lunettes quoi. Mais surtout, et j'ai vraiment l'impression de découvrir un truc quoi. Tu dis on rentre les deux pieds dans l'âge adulte, mais carrément c'est les trois pieds parce qu'en fait t'as cette béquille qu'est l'alcool. Exactement. Très belle métaphore. Et en fait, si tu l'enlèves, putain, c'est chaud. C'est moi, chaud. C'est une épine dorsale, moi. Je dis, moi, vraiment, c'est une construction, quoi. Mmh. Tu construis beaucoup de choses autour aussi. Autour. Tu vois, ben, on parlait de féminité, de ritualiser aussi. Tu construis beaucoup ta féminité. Enfin, moi, j'ai construit beaucoup de mon personnage de femme via l'alcool, en fait. Mmh. Et c'était assez, d'ailleurs, hallucinant de le découvrir sans alcool. Quelque part, tu te redécouvres. Enfin, il y a une sorte de. Ouais. Mais c'est ça qui est un peu triste, parfois. Puis t'as ritualisé ta vie aussi beaucoup autour de ça. Hein. Moi, je me rends compte. Bien sûr. Le repas, il y a tel truc qu'il faut manger avec tel truc. Mais c'est marrant aussi de parler de ce que c'est qu'être une femme, parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui est très intéressant aussi sur ce que c'est qu'être un homme. C'est encore plus fort chez les hommes. Alors, je pense dans tous les territoires de France, mais en tout cas, moi, je sais que chez moi, dans le Sud, c'est très valorisé chez un mec de savoir assumer. Mm-hmm. Donc, d'avoir une bonne décence, de savoir aussi en gueule de bois et travailler. Parfois de façon manuelle, etc., et faire du sport. Et par extenso, dans des villes comme Paris, on peut très bien le voir dans le truc, c'est hyper cool. Je vois chez mes potes qui sont dans la musique, le ciné, la mode, les médias, c'est hyper cool d'être la personne qui va dans les super soirées le jeudi et qui le lendemain, même si elle n'a pas dormi, comme vraiment c'est une machine de guerre, la personne elle sait assumer et elle sait être au travail. Et limite, il y a un peu une fierté de dire aux collègues, putain, là je suis dans le mal, mais t'es quand même là. Et du coup, il y a vraiment ce truc aussi de valorisation en tant qu'adulte, de savoir assumer. Je sais pas toi comment tu le vois en tant que mec, alors, Maxime. Moi, ce que je remarque là, j'étais dans un festival de cinéma en décembre, et donc il y a la fête tous les soirs, et vraiment, moi, le moment préféré de ma journée, c'est le matin quand j'ai passé exactement la même soirée que les gens, et de les voir en ramasse totale. Et me souvenir de trucs qu'ils ont fait où ils me reposent les mêmes questions que la veille, ils sont un peu gênés de me dire ah tiens, ah c'est vrai que je t'ai posé cette question là. En fait, j'ai l'impression que ça change un petit peu quand même. Et clairement j'ai passé les mêmes soirées que les gens et j'ai réussi à m'amuser autant. Et le lendemain, mais quel bonheur. Je crois que c'est ce qu'on préfère le matin. T'es pas bien là. Raconte-moi comment t'es après, pas bien. Après, est-ce que c'est pas... Parce que j'ai l'impression que... Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est lié un peu à la virilité aussi, l'alcool. Et qu'il y a une association assez directe, comme tu disais, où en gros, comme tu dis, on assume et on aime raconter le nombre de bouteilles. Et puis, plus on vieillit, puis on essaie de prendre des bonnes bouteilles. Pour montrer qu'on s'y connaît en bon cru. Enfin, pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu le passage obligé de la masculinité. Et par exemple, j'en parle beaucoup avec mon mec qui, lui, s'est senti exclu de certains cercles, mais je pense que ça a généré avec certains de ses potes masculins des questionnements, quoi. Parce qu'en fait, quand t'es un homme, tu bois. Et je me demandais si t'avais ressenti ça aussi, toi. Au tout début, j'ai commencé en disant que je faisais un défi d'un an. Donc, au début, j'ai eu pas mal de potes qui étaient en mode, ah d'accord, mais vivant que ce soit terminé, haha. Et au final, j'ai dit, non, mais en fait, je crois que je me sens de mieux comme ça. Et donc en fait, ils se sont assez adaptés. Et comme j'ai fait une vidéo où j'ai parlé du sujet et qui a eu un impact assez dingue, parce qu'elle a fait quasiment 1 million de vues et que ça a aidé plein de gens, je crois que j'ai grâce à ça une image du mec qui reste cool alors que il a arrêté l'alcool. Et donc parce que j'ai réussi à bien communiquer autour de ça, mais il a fallu au début clairement je montrais mon compteur à tout le monde pour rester le gars cool en disant ouais j'ai arrêté l'alcool, mais regardez, ouais, je fais un défi d'un an, vous voyez, je suis trop fort. Et voilà. Et on parlait justement du moment où en fait tu arrêtes l'alcool et que les gens autour commence à réagir. Maxime, tu nous en parlais par rapport à tes potes quand t'as arrêté l'alcool et que tu leur montrais fièrement ton application pour leur dire « Attendez, je suis quand même quelqu'un qui tient ses résolutions. » Ça fait tant de jours. Voilà, vrai bonhomme. Mais pourquoi ça dérange les gens au fond,
autour de nous qu'on ne boive pas. Qu'est-ce que ça leur renvoie, vous pensez? Un miroir. C'est-à-dire que clairement, quand tu arrêtes, ça veut dire que tu as un problème et donc ça pose la question de leur consommation. Et donc, s'ils ont éventuellement un problème, tu deviens un peu le problème. Donc, même si toi, enfin moi, j'ai passé mon temps les premiers mois à répéter que j'en avais rien à faire, que tout le monde boive comme des trous autour de moi. En fait, j'avais beau répéter ça, c'était pas ça le truc. En fait, c'était que eux voyaient en moi un questionnement qu'ils n'avaient pas envie de se poser. Et donc, tu sors certaines personnes forcément de leur déni. Après, ça dépend vraiment des personnes autour de toi aussi. Mais en général, le mec qui est à 2h du matin bourré vient te dire « Alors, moi, j'ai pas de problème avec l'alcool. » Bon, voilà. Oui, bien sûr. J'ai été étonnée en arrêtant du nombre de personnes autour de moi qui, je n'aurais jamais soupçonné, qui ont des questionnements et qui me disaient « Mais tu sais, en fait, moi aussi, j'aimerais bien arrêter. C'est jusque-là. » Et de toute façon, je crois que c'est des déclics qui sont extrêmement longs au final. On en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai mis du temps parce que je me disais, je suis trop jeune pour arrêter, je vais louper des trucs. Et en fait, aucun regret. Mais c'est vrai que je pense que quand tu es en début de vingtaine, avec l'injonction qu'on a pu avoir, qu'il y a de moins en moins, effectivement, à se déglinguer, c'est très compliqué. J'imagine que par exemple, pour des étudiants, je pense qu'il doit y avoir qui nous écoutent, avec la culture de l'alcool qu'il peut y avoir dans les écoles, où c'est censé être un truc qui est fédérateur, etc. Et la seule façon de créer du lien, c'est quand même très très compliqué. J'imagine aussi, mais moi j'ai eu la chance d'être très bien entourée et que je pense que j'étais tellement difficile à gérer quand je buvais et j'étais tellement déprimée et puis j'étais, comme je le disais, en fait j'étais en dépression depuis des années et le fait que je me reprenne en main, que j'aille mieux, que je puisse m'occuper de mon fils, que les gens puissent passer des bonnes soirées quand j'étais là, parce qu'en fait c'était l'enfer. Il fallait s'occuper de toi en fait. Tout le monde était heureux. Aujourd'hui, à chaque fois que j'ai reconsommé, j'ai eu en face de moi des gens qui m'ont dit « Ah Karen, Rose, je t'en supplie, reprends ta sobriété, on t'aime trop sobre. » Voilà. Après, il y a toujours ces personnes qui viennent dans une soirée, tu bois pas, t'es relou, mais c'est pas mes potes. Moi, je parle de gens que je connais pas, parce que autour de moi, mes proches, en fait, ça les a plutôt changés. C'est-à-dire exactement. En fait, par exemple, au début, ils se demandaient est-ce que je peux venir chez toi avec ou sans alcool et tout, donc ils amenaient une bouteille. Puis après, la deuxième fois, ils sont venus sans alcool en disant bon bah on va essayer. Et on est resté jusqu'à 4h du matin discuter. Et en fait, ça, petit à petit, en fait, ça a changé nos rapports et leur rapport à l'alcool. Et ça change les soirées. Ouais, mais même dans elle est influenceuse également. Oui. Toi, c'est danser que t'aimes, qui te fait du bien dans une soirée. Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc merveilleux, c'était rire. Et en fait, les soirées où tu te marres, tu penses pas une seconde à boire. Par contre, quand tu te marres pas, t'es là en train de te dire mais il faut que ça se finisse. C'est que je rigole tout le temps maintenant. Je rigolais plus depuis des années. Il faut se marrer. À cause de mon travail, je rigolais plus. Mais faut s'entourer de gens drôles. Ouais, en fait, là, c'est ça. Moi, j'ai des copines, je me dis heureusement qu'elles sont. Bah voilà, c'est ça. Il faut qu'elles soient drôles. Il faut que les gens soient drôles. Oui, c'est vrai. Quand vous avez la flemme, et justement, Maxime, je vais me tourner vers toi. Quand vous avez la flemme d'expliquer, on te demande pourquoi t'as arrêté de boire. Mais t'as la flemme, en une phrase, comment tu l'expliques En une phrase, pourquoi j'ai arrêté de boire? Parce que j'avais compris que j'étais addict et que toute ma vie, ça allait être un problème. Et j'ai réussi à arrêter au moment où c'était facile pour moi d'arrêter. Et que j'avais envie, et parce que je savais qu'il fallait que j'arrête en fait. Et j'avais essayé plusieurs fois de faire des mois sans alcool. C'est pas un mot que je te dis, mais c'est juste, il fallait que j'arrête. Et le moment où j'étais suffisamment bien dans ma vie pour le faire, et ben j'ai fait un an. Et après, j'avais plus besoin parce que j'avais réappris à vivre sans. Mais effectivement, il a fallu que je fasse une année de test avant de me dire ah ok c'est bon, j'en ai plus besoin. Parce que quand je faisais des un mois, deux mois, après je repartais de plus belle. Et qu'est-ce que les gens y répondent? Est-ce que tu relate aussi? On a essayé de trouver tout à l'heure quel était le synonyme en français. Est-ce que tu identifies? Est-ce que tu t'identifies aussi à ce qu'a dit Claire sur l'idée que on a l'impression de tendre un miroir aux gens qui est un peu déplaisant pour eux? Oui, c'est vrai que parfois je sens qu'il y a des gens qui sont dans le déni, mais j'ai l'impression que ça a quand même permis de ouvrir un dialogue qui était tabou jusqu'à longtemps dans ma vie. Moi, pendant longtemps, le fait d'avoir des problèmes d'alcool, c'était impossible d'en parler. Et maintenant, j'ai l'impression que on arrive à vachement plus facilement discuter des moments où là c'est cool et où là c'était un peu problématique. Et j'ai l'impression que la communication est plus simple maintenant autour de ça. J'ai plein de copains qui ont à peu près le même rapport que moi, d'aimer beaucoup la fête et ça fait partie du mode de vie, qui commencent à se questionner sur « Ah ouais, mais je pense qu'en vrai, ça serait bien que j'arrête et tout. » T'as eu des proches du coup que ça a concrètement influencé? J'en ai pas mal et j'en ai pas mal. Et c'est difficile de parler un peu des proches, mais il y a plein de gens
qui deviennent un peu mes proches aussi, des gens qui m'écrivent en DM dès que j'aborde le sujet. En fait, je me rends compte que le fait d'en avoir parlé, ça a aidé beaucoup de gens. Et ça me porte aussi en fait un peu, parce que ça a rajouté un truc dans ma vie d'avoir réussi à... Voilà, à communiquer de la bonne façon sur ce sujet-là. Et du coup, je suis très fier d'avoir réussi à faire ça. Et voilà, ça a donné un nouveau sens à ma vie qui avait besoin de beaucoup de sens pour continuer. Et voilà, tout va bien. Claire, quel est à ton sens le problème dans la façon dont notre société voit l'alcool ? Alors, il y en a plusieurs, mais je pense que le fait de penser que ne pas boire n'est pas, enfin, en fait, ne pas boire pourrait être une liberté parmi d'autres, mais c'est comme si la normalité était de boire, en fait. Mm-hmm. Et surtout en France, où culturellement, en fait, on est vraiment très attaché à notre patrimoine. À ses enjeux économiques également, parce que quand même, voilà. Et puis même, c'est un héritage, une transmission, il y a le côté familial, enfin, il y a vraiment, c'est un imaginaire très lourd, en fait, l'alcool en France, qui fait que, en fait, si on ne boit pas, on n'est pas français, en fait. Il y a presque un truc de cet ordre-là, je trouve. Et je trouve que, en fait, quand tu, finalement, tu charges tellement cet imaginaire toi-même, tu as l'impression que l'alcool, ça te rend drôle, ça te rend... Enfin, en fait, tu as l'impression que c'est tout, en fait. Moi, j'ai arrêté de boire quand je me suis rendu compte que j'étais devenue l'alcool, en fait. Et en fait, quand tu enlèves... Alors que quand tu arrêtes, tu te rends compte que finalement, c'est un plaisir, une activité parmi d'autres, et point final, quoi. Et donc, je pense qu'il faut vraiment décharger, je sais pas comment dire, l'imaginaire de l'alcool, et arrêter de lui donner autant de puissance. C'est-à-dire que moi, je dis pas il faut arrêter ou il faut interdire, pas du tout, en fait. Si les gens aiment et certains ils trouvent du plaisir, etc., c'est super. Mais il faut arrêter de dire que c'est central. Et que ça concentre aussi notre culture française, parce que notre culture française, elle est plein d'autres choses. Et je pense que c'est une erreur de penser qu'on est que libertin et bourré, en fait. J'ai découvert la culture depuis que j'ai arrêté l'alcool, parce que maintenant je vais plus dans les bars et je vais faire 10 fois plus de trucs dans des spectacles, choses. Cinéma et tout. Donc du divertissement de qualité pour le coup, au lieu d'être autour d'une table et d'attendre que le temps passe. Voilà. Rose, toi, à travers ton podcast, t'explores les addictions, hein. Donc dans Contradiction, il n'y a pas que l'alcool. Du coup, avec cette prise un petit peu de hauteur, pourquoi tu penses qu'on ne perçoit pas vraiment en France l'alcool comme étant une drogue ? Comme étant la drogue que c'est, en fait. Bah, c'est-à-dire que, de toute façon, c'est clair et c'est dit comme ça. L'alcool n'est pas une drogue. Il y a même des gens qui disent le vin n'est pas de l'alcool. Oui. Donc, faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps, dans les années 70, il y avait du vin à l'école. Et de la bière à l'école en Belgique. On dit que c'était bon pour la santé. Non, moi, je pense vraiment que dans mon podcast et dans tous les invités que je rencontre, et surtout dans les réunions d'Alcooliques Anonymes ou Narcotiques Anonymes, il y a quelque chose qui est central, c'est de dire, n'oublions pas que l'alcool est une drogue. Et ça, on le répète dans les Narcotiques Anonymes, parce que c'est lui qui nous ramène souvent à notre drogue de choix, la fameuse, le premier produit qu'on a consommé. Et aujourd'hui, grâce à ces réunions et ces cercles de parole, les gens comprennent que l'alcool, c'est le plus sournois, parce qu'il est là, tout le temps, devant nous. Mais merci pour cette réponse, parce que c'est vrai que j'ai quand même l'impression qu'au-delà de la décision individuelle de boire ou de ne pas boire, il y a quand même beaucoup la société qui vient conditionner ça. En tout cas, c'est ce qui semble ressortir de tout ce que vous avez pu dire. Et on va continuer à parler de cet arrêt, en fait, de l'alcool. Qu'est-ce qui vous a fait le plus peur dans le fait d'arrêter, avant d'arrêter ? Quand vous avez pris la décision et que vous vous êtes dit « Ok, peut-être que ma vie va changer », qu'est-ce qui vous a fait peur ? Je commence, moi, c'était d'aller à des soirées pro sans pouvoir boire du champagne pour supporter les gens. Et c'était les dates, mais bon, on va pas le répéter pendant toute l'émission. Moi, c'était monter sur scène, vraiment. Et puis aussi composer, écrire. Très peur de ça, parce que j'avais plus envie d'aller en soirée, j'avais trouvé mon mec, donc j'avais pas peur de tout ça. J'avais très peur pour mon métier. Et parce qu'il y a un peu ce mythe, en plus, de l'artiste qui sait composer, écrire, c'est pas un mythe. Faire des trucs cool. C'est pas un mythe, parce que vraiment, il y a des choses que je n'arrive plus à faire. Ça va revenir. Hein. Des choses que j'ai... En fait, c'est pas que j'arrive plus, j'ai plus envie. Ok. Ouais, clairement, l'inspiration, les choses d'aller chercher. Au fond de moi, j'ai envie d'écrire différemment. Le podcast, pour moi, c'est carrément totalement thérapeutique, quoi. Surtout, j'écris mes intros comme un livre. Ouais, j'ai envie de... Bah, comme toi, tu vois, je sens que ça te rend fière. Et moi, ça me rend fière, comme quand je faisais des chansons, donc ça me soigne. Mais on verra si la musique revient, mais c'est vrai que ça m'a un peu bloqué là-dessus. Maxime ? J'avais peur de devenir le mec chiant, j'avais peur de plus jamais m'amuser en voyage, et j'avais peur de moins rencontrer facilement des personnes. Du sexe opposé.
Des personnes, parce que moi, je rencontre plein de gens. Est-ce que les peurs étaient fondées ou pas? Les peurs étaient fondées. T'as quand même réussi à... Ouais, mais je suis content d'avoir... J'ai revoyagé et j'arrive à... Ben, mes voyages sont un peu différents qu'à une époque, mais non, en fait, c'est bon, en fait, ça va, quoi. J'ai pas envie de reprendre. Et puis surtout, ce qu'il faut, surtout, ce que je dis dans ma vidéo, c'est que mon moral, je suis 10 fois mieux dans ma tête, en fait. C'est pas juste dans la fête que ça a changé mon mode de vie. C'est genre, maintenant, je me sens vachement mieux et je sais que l'alcool faisait que je me sentais moins bien. Voilà. Mais c'est que ça a bien compensé de mettre des béquilles à des petits moments, mais sur l'état global, il n'y a rien à voir. C'est un dépresseur, l'alcool, de toute façon. Voilà. Ouais. Donc, ouais, ça. Ouais. Pas de regret. Claire, tes principales peurs avant d'arrêter? Alors, moi, c'était pas. Moi, j'écrivais très mal sous alcool, vraiment. Je me relisais le lendemain, c'était une catastrophe, donc j'avais pas cette peur-là. Tu penses que c'est fou en plus sur le moment? Complètement. Je m'enflammais, et vraiment, heureusement qu'il y a des trucs, des posts que je n'ai pas fait. Enfin, je remercie beaucoup. J'avais quand même un dernier filtre pour ne pas le faire, pour ne pas les envoyer à mon éditeur, etc. Mais en fait, non, moi j'avais eu peur d'avoir peur, parce qu'en fait je suis quelqu'un de très anxieuse, et ça s'est avéré vrai, puisque j'ai retrouvé certaines peurs, comme la peur de l'avion, alors que j'étais reporter. Et donc en fait, c'est tout ça en fait, que je dois dompter aujourd'hui. Mais c'est assez intéressant, en fait, parce que du coup, je me questionne le pourquoi de la peur, etc. Mais moi, c'était vraiment ça, c'était de ne pas réussir à négocier avec mes angoisses, puisque en vrai, je buvais beaucoup à cause de ça, de l'anxiété. En même temps, c'est une aventure que de se découvrir, je trouve c'est vraiment passionnant. Enfin, vraiment, c'est fou. Mais c'est la meilleure aventure. Enfin, de toute façon, c'est un mouvement intellectuel incroyable. Enfin, ouais. Franchement, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est-à-dire que c'est un peu comme le féminisme. Enfin, c'est prendre une autre pilule et voir la vie autrement. Ouais, oui. Et en fait, parce que ça tisse tellement de choses aussi. En fait, c'est une drogue, hein. La sobriété. Ouais, c'est une drogue, ouais. Parce que tout d'un coup, on questionne tout, en fait, du sexe, à l'amour, à notre rapport à l'écriture, à tout, en fait. En fait, il y a un truc hyper, vraiment, que j'aimerais vraiment dire pour les gens qui ont envie de se lancer. Il y a un truc, c'est qu'on sait tout faire sous le prisme de l'alcool. On connaît déjà beaucoup de choses, et en fait, on va découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Donc, en fait, c'est trop bien. Faut pas avoir peur. Voilà, c'est une nouvelle aventure, et faut pas avoir peur de s'emmerder, parce qu'en fait, il va y avoir mille fois plus de choses à faire. Mais ça, justement, tu as anticipé ma question. Quels sont les meilleurs points du coup de l'arrêt de l'alcool? Qu'est-ce qui, au final, des choses peut-être que tu n'attendais pas, ont été les plus gros trucs, en fait, quand t'as arrêté l'alcool, les plus gros points positifs? En fait, moi, je pensais que j'étais dépressive. Donc, déjà, je me suis rendu compte que j'étais juste alcoolique et cocaïnomane. C'était déjà une super nouvelle, parce que franchement, en fait, quand je bois pas, quand je consomme pas, je vais bien. Ouais. Ça, c'est le meilleur. À partir du moment où je vais bien, j'ai envie de faire des choses qui me font du bien. Donc, j'ai découvert que j'étais un peu la nana chiante qui aime le yoga, qui arrête de bouffer de la viande rouge. Pas tout le temps. Moi, je suis flexi-tout. Hein. On a vu tout à l'heure, je rebois. Ça m'arrive de reboire et de réarrêter. Donc, je mange plus de viande et j'en remange. Mais en fait, ça me donne envie de prendre des bonnes décisions, en fait. C'est pas prendre soin de moi. Moi, je m'en fous de mourir jeune ou vieille. Vraiment, ça, j'en ai rien à foutre. C'est vraiment à chaque instant, t'as l'impression de prendre toujours la décision juste par rapport à avant. Voilà, c'est ça qui m'a surprise. Je me disais, mais putain, avant, t'aurais pas fait ça. C'est une forme de clairvoyance constante. Ouais, tout le temps, lucidité, en fait. Oui, de pas être aussi la tête dans le guidon, parce que c'est vrai que quand tu fais genre... T'as du recul. Taf, cuite, en fait, t'as pas le temps. Zéro recul. Tu prends la hauteur sur rien, et du coup, tu prends des trucs, mais en fait, t'as pas le temps de penser. En fait, c'est ça, c'est la distance, et c'est ça qu'on appelle la lucidité, c'est vraiment de s'élever. Et comme tu t'élèves, et ben en fait tu fais que t'élever, et puis c'est un cercle vertueux, hein, parce que l'alcool, c'est un cercle vicieux. C'est extraordinaire, le cercle vertueux dans lequel on rentre. Maxime, toi, les meilleurs points de l'arrêt de l'alcool, qu'est-ce qui est le plus positif maintenant dans ta vie par rapport à ça? Clairement, je me sens mieux dans ma peau et dans ma vie. Je suis capable d'aller à des endroits auxquels j'allais pas avant, parce que j'avais besoin de me mettre à l'aise en prenant des bières et tout. Enfin, là, maintenant, je suis capable d'aller partout tout seul, et je me sens bien. Et je suis vachement connecté aux autres, parce que le fait d'avoir communiqué dessus, ça m'a libéré un peu d'un problème que j'avais, qui était de parler de moi et de mes trucs un peu deep. Et en fait, j'ai l'impression que la vie est plus simple pour moi, parce que le fait d'avoir libéré la parole autour de ça, ça m'a permis d'être mieux dans mes baskets, et avec les autres, les gens, j'ai l'impression que on est mieux, plus connecté, et qu'ils savent un peu mieux qui je suis, et les rapports humains, ils sont meilleurs. Waouh.
Je vais redire un peu pareil. Je trouve que en fait, tu parles de lucidité, Rose. Moi, je trouve qu'il y a une et de connexion. Je trouve qu'en fait, t'es plus connecté à la vérité. Enfin, il y a quelque chose. Enfin, tu es dans une autre démarche. Je sais pas moi, ça a complètement dévié ma vie, mais de façon étonnante, je m'y attendais pas, hein, franchement. et je trouve que c'est ouais, encore une fois, c'est un mouvement intellectuel hyper puissant. Moi, ça m'a permis de commencer à me réparer aussi, quand même. C'est-à-dire que clairement, j'enfouissais sous l'alcool beaucoup de choses que je n'avais pas guéri en fait, et donc ça a été à la fois intellectuellement hyper intéressant, mais aussi intimement aussi quelque chose un nouveau parcours en fait, où tout d'un coup je fais attention à moi, j'ai mon esprit très clair, et je sais pas, c'est plus le même chemin quoi. C'est un peu mystique ce que je c'est dis. C'est bien mais... que tu dis parcours chemin, c'est ça. En fait, oui, c'est ça un fait. Parcours, non mais là ça fait un processus exploratoire, en fait. C'est un voyage. Ouais, moi, c'est une découverte, c'est une redécouverte. Nous parlions avec mes invités Claire Touzard, Maxime Muscat et Rose de l'arrêt de l'alcool, parce que là quand même on a beaucoup parlé d'alcool, mais on a très vite dérivé sur l'arrêt de l'alcool, parce que c'est quelque chose quand même qui nous rassemble pour plein de raisons que nous vous avons exposées. Et je vous rappelle, si vous n'avez pas eu le temps d'écouter toute l'émission, qu'elle est disponible sur toutes les plateformes de streaming, sur le site Radio France et également sur YouTube si vous voulez nous voir en train de déconner en faisant l'émission. On a parlé de pourquoi on arrête l'alcool, mais la question quand même qui serait importante, c'est comment on arrête l'alcool? Moi, je suis la pire pour répondre à cette question. Moi, je commence parce que vous allez être meilleure. Moi, j'adore cette question. C'est pour ça que je vais laisser les pros parler. j'avais peur des médecins, etc. Donc, j'ai décidé de ne pas me soigner, de le faire toute seule, avec l'écriture, entre autres. Mm-hmm. Et ce n'était pas une très bonne idée. En revanche, je me suis beaucoup appuyée sur les groupes de parole. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a le plus aidée. D'ailleurs, beaucoup de gens des AA, des Alcooliques Anonymes, etc., disent que c'est vraiment leur plus gros pilier. Moi, voilà, je suis plutôt sur les groupes de parole. Après, je pense qu'un accompagnement, c'est quand même bien. Et d'ailleurs, je vais un peu sur le tard, sans doute, commencer. Mmh. À d'addictologie. Après coup, si tu avais su, du coup, tu aurais arrêté en étant encadrée par des professionnels Je pense. Après, okay. Il faut que je surpasse un peu ma peur du milieu médical, qui est un autre sujet de livre. Ça fait un moment, toi, en plus, que tu as arrêté. Ça fait un moment que j'ai arrêté, mais je suis toujours comme ça. Je me dis, je vais pouvoir arrêter toute seule, etc. Voilà. Mais je pense que c'est des moments où tu as besoin d'avoir vraiment un maximum d'appui. Et je me suis beaucoup servi de mon mec comme appui, alors que je pense qu'il suffisait pas. Moi déjà je pense, alors moi tous les gens qui veulent arrêter l'alcool, je leur conseille de prendre déjà une application qui s'appelle I Am Sober ou n'importe laquelle autre, qui permet d'avoir un compteur et qui te motive à enchaîner les jours, et comme ça quand il y a le truc social de oh pourquoi tu bois pas et tout, tu montes ce compteur. Juste une petite bière ça te remet le compteur à zéro. Au moins déjà ça facilite les choses, et aussi moi je sais qu'il a fallu que je gère tous mes doses psychologiques de en allant voir des psys pour que j'ai les coups durs et soient plus faciles à supporter, et que j'ai pas au premier coup dur l'envie de m'échapper en buvant de l'alcool. Donc il y a je pense déjà un truc d'aller faire des thérapies, c'est important, et après le petit compteur, et après en parler et que ce soit pas tabou quoi. Mmh. Voilà. Moi, je pense qu'il faut être entouré à 360, et j'ai pu le remarquer justement dans le podcast Contradiction, tous les invités le disent. Le truc qui ressort numéro un, c'est vraiment d'aller en réunion de Narcotiques Anonymes, Alcooliques Anonymes, et il y en a pour tout. Et il y a vraiment ce truc-là, en fait, de vivre le credo des Alcooliques Anonymes, c'est un jour à la fois, juste pour aujourd'hui, de ne pas se dire je boirai plus jamais, de se dire aujourd'hui je bois pas, et quand on me demande pourquoi tu bois pas, je dis aujourd'hui j'ai pas envie. Et ça, c'est pas mal, parce que ça ne donne même pas besoin de se justifier. Il faut avoir un rêve, quelque chose, il faut s'accrocher, il faut trouver un affect plus grand que celui à contrarier. Ça, c'est Spinoza qui dit ça. On peut arrêter quelque chose de néfaste si on a quelque chose de plus grand que ce truc néfaste. Et c'est important d'aller chercher. Et pour chercher ce truc, il faut être sobre. Donc déjà, on arrête, on va chercher ce qui nous plaît, et on se concentre sur les choses qui nous font grandir. Voilà. Il faut lire le livre de Claire, il faut écouter le podcast de Rose aussi. Non, c'est vrai que c'est regarder la vidéo de Maxime. Regardez la vidéo, mais et bon, on l'a déjà mis en vue, tout le monde l'a vu cette vidéo. Mais non, mais c'est vrai que c'est important d'avoir des discours d'autres gens et tout. Comme ça, c'est hyper important, les modèles. Bah, ouais, écoutez Maxime Muscat, le Dry January de l'année dernière, il est extraordinaire. Tu as dit une phrase géniale, tu as dit c'est beaucoup plus simple de refuser le premier verre que les suivants. Ah, oui. Et moi, ça m'a énormément aidé. Okay, bah voilà. Ah, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que des figures, moi, c'est comme ça que j'ai arrêté. Et les punchlines, ça marche bien. En lisant.
vraiment des gens qui m'ont arrêté. Il y a beaucoup de célébrités américaines qui ont arrêté. Mm-hmm. Qui... Non, mais c'est con, mais lire quotidiennement... Je fais un épisode à la fin du mois qui est avec une journaliste, Christelle Lafin, qui a été envoyée spéciale à Hollywood avec, sur les, toutes les célébrités sobres, donc Bradley Cooper, Brad Pitt, tout ça, c'est... Brad Pitt, il est sobre. Bien sûr. Grâce à Bradley Cooper. Et après, il y a beaucoup d'écrivains super aussi sur la sobriété, comme Leslie Jameson, etc. Incroyable. Vraiment, je vous les conseille. C'est quoi, Récit de la soif, c'est ça? Mais en fait, le problème, c'est que oui, voilà. Il y a des, maintenant des bédéastes qui s'y mettent. Oui, on pense à Salomé Laoche, notamment sur Instagram. Déraillé aussi. Des posts très intéressants, mais même qui étaient à nouveau des choses auxquelles on pouvait s'identifier. Moi, je sais qu'elle a fait ses posts en même temps que les miens, justement, cet été. Et je voyais, elle disait des trucs, mais c'était moi. Enfin, moi, déjà, de base, je suis dyspraxique, donc je me cogne partout. Mais quand je buvais, je me faisais mal, en fait. Je me blessais très souvent. Au printemps, je me suis quand même fait les deux chevilles en même temps. Donc ça, j'en souffre encore, quoi, parce que c'est, enfin, du coup, tu as des béquilles, mais en fait, tu peux t'appuyer sur aucune cheville en théorie, donc enfin voilà. Et c'est des trucs qui sont complètement débiles. J'ai déjà fini aux urgences parce que je m'étais ouvert la main, mais des trucs qui sont cons. Et t'es en mode waouh, trop drôle. Et tu sais, tu le racontes. Pareil, les blackouts. Moi, je faisais beaucoup de blackouts cette dernière année. Quel enfer. Tu les racontes et en fait, t'essaies de te convaincre que c'est drôle. Mais tu sais que c'est pas drôle, tu te sens pas bien en vrai. Mais t'as besoin de... Et plus tu vieillis, moins c'est drôle, en fait. Plus c'est glauque. Mais on en parlait hier avec des amis, à 20 ans, une photo de toi à côté des chiottes en train de vomir, c'est un peu rigolo. À 30 ans, ça l'est un peu moins. À 40 ans, 50 ans, ça l'est encore moins. À 60, ça l'est plus du tout. Enfin, t'as tout un truc... Ouais, puis le temps perdu. Enfin, c'est-à-dire aussi... je pense que justement, changer l'imaginaire, on parlait comment... Enfin, tu vois, comment aussi s'améliorer... Enfin, comment arrêter, en fait. Je pense que changer l'imaginaire et inventer de plus en plus de personnages sobres, par exemple. Totalement. Même dans les séries, en fait, passer par la pop culture. Ce truc-là aussi. Ouais, voilà. Moi, par exemple, quand j'ai regardé la série Love, je me rappelle de Judd Apatow, bah tout de suite, ce personnage de femme, il me parlait. Et pourtant, elle arrête de boire, elle ne boit pas de toute la série. Et franchement, ça, tu vois, voilà, avoir plus de personnages sobres, cool. Je pense que passer par des podcasts, etc., c'est aussi une autre approche pour les gens qui sont un peu terrifiés par l'approche médicale, etc. Mais les gens, c'est la mode, parce qu'on m'a commandé une série. On est en train d'écrire une série qu'on m'a commandée sur la sobriété. Je crois que les gens veulent vraiment entendre des messages. Mais comme là, il y a un truc qui se passe. Moi, je sais que de base, j'aurais pas parlé de ça parce que, en fait, je me disais, putain, on va penser que je suis alcoolique. Et après, je me suis dit, bah, en fait, flemme. Je préfère quand même les gens, ils grossissent le trait dans leur tête. Mais qu'au moins, ça les aide plutôt qu'amoindrir le truc. Et au début, j'ai posté sur Insta parce que je me suis dit, vu que les endroits où je traîne, forcément, c'est des endroits où potentiellement mes abonnés traînent. Du coup, ça va mettre la pression. Je pourrais plus mettre des tôles dans les bars parce que sinon, on va me reconnaître que je vais passer pour une menteuse. Bon, maintenant, je suis encore plus dans la merde parce qu'il y a le monde interne. Machin, j'en ai parlé. Donc là, je suis vraiment dans la sauce. Je recommence. Mais du coup, au début, c'était pour me mettre une pression. Et en fait, j'étais hyper surprise quand j'ai fait mon premier post, donc fin août, de voir autant de gens de nos industries qui sont pas forcément des gens super connus du grand public, mais que nous, on va peut-être connaître tous, j'en sais rien, moi, des attachés de presse, des producteurs, des machins, qui commentaient en mode moi aussi. Et c'est quand même un sujet super tabou de base. Et je me suis dit, putain, il y a vraiment une discussion qui s'ouvre. Et tout à l'heure, j'étais très touchée sur ma page de mème, donc où je fais rire les gens. J'avais reçu 5 messages privés à la suite de gens qui me disaient, grâce à toi, j'ai arrêté. Et je me suis dit, putain, mais j'aime pas qu'on me... Ça, c'est le plus beau cadeau. En fait, j'aime pas qu'on me... Avec le podcast, c'est incroyable. J'aime pas qu'on me traite d'influenceuse parce que je sais que dans la bouche des gens, surtout sur des filles assez jeunes et tout, c'est assez péjoratif. Mais là, pour le coup, c'est vraiment de l'influence et c'est positif. Donc franchement, ça fait trop, trop plaisir. Je peux juste rajouter un truc parce que t'as dit, parce que juste tu disais, j'ai la pression parce que maintenant, je peux plus me permettre de... Mais il faut pas oublier que si on rechute, c'est pas grave. Non, mais oui. Non, mais je veux dire, ça empêche pas le lendemain de reprendre. Et peu importe, même si le monde est qui que ce soit, tu dis, bah, je suis humaine, voilà, j'ai bu un verre, puis deux, puis 10, et puis en fait, ce matin, j'ai plus envie. Je veux m'y remettre. Et il faut vraiment ne pas du tout stigmatiser la rechute, du tout. Bien sûr. Et ça, en conseil, justement, je pense qu'on peut l'ajouter, c'est que souvent, avant de réussir, on voit beaucoup sur les gens qui énormément d'échecs. Par exemple, il y a de l'échec. Plus surtout, on essaye d'arrêter. Surtout quand on en parle publiquement aussi. Ça met une pression supplémentaire, tu vois. Mais plus tu essayes d'arrêter, plus tu as de chances d'y arriver. En général, on arrête de fumer au bout de la 4e ou la 5e fois. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. À chaque fois que j'ai arrêté de fumer, on me dit, oh, t'avais pas arrêté de fumer, toi? Je dis, bah oui, j'ai essayé d'arrêter de fumer. Au bout de la 5e, bah, ça a marché, bon. Et combien de temps ça met pour être cool d'avoir arrêté de boire? Parce que moi, par exemple, je sais que en septembre, octobre, bon, après, c'était compliqué, je suis entre deux villes, il y avait plein de trucs fatigants, l'émission qui commençait, tout ça. Mais c'était dur, parce que ce que je vous disais tout à l'heure pendant une pause, j'avais perdu un peu mon truc sympa de la semaine, ou de plusieurs fois par semaine. et du coup, j'étais là, mais attends, mais en fait, je vais reprendre, parce que là, sinon, je sais qu'il y a un chemin long à faire, mais en fait, j'ai pas l'énergie de le faire. Et au bout d'un mois et demi, ça allait vraiment mieux. Bravo. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, les gens qui font le dry January,
vu que c'est que un mois, je comprends qu'ils aient qu'une envie, c'est se mettre une méga timbale le 1er février, parce que un mois, c'est pas suffisant. Je suis pas sûre, parce que énormément de gens, comme toi d'ailleurs, qui ont au bout d'un mois, qui ont arrêté et qui ont continué, quoi. Ah oui, moi, quand je faisais un mois, après je repartais, c'était la grosse menace, quoi. D'accord. Moi, j'y crois pas trop, du coup, au dry January. Moi, je trouve qu'on a les bénéfices quand même au bout d'un mois, et on se dit j'ai envie d'aller plus loin. Après, ah ouais, je pense que tu vois quand tu gagnes plus que tu ne. Ça dépend. Quand tu commences quand à gagner, vraiment, t'as des problèmes avec l'alcool, tu vois assez vite ce que tu gagnes par rapport. Après, si t'as pas de problème avec l'alcool, justement, peut-être qu'au bout d'un mois, tu te mets la mine. Oui. Je sais pas. Mais si t'as un vrai problème, de toute façon, ça reste toujours dur, hein, je pense. Moi, après, c'est une lutte. En fait, je pense qu'il faut des années pour que l'obsession de boire disparaisse. Ce que j'entends souvent, c'est qu'il y a plein de gens qui me disent ouais, moi je fais un dry, comme ça je sais qu'en fait je domine un peu l'addiction et je domine le truc. Mais et en fait les gens après ils se remettent des énormes caisses. Et moi j'ai réussi à me séparer de l'alcool parce que j'ai fait un arrêt long. C'est vraiment l'arrêt long qui a fait qu'au bout d'un moment j'ai fait oh, j'en ai plus besoin. Et là plus le temps passe, plus en fait ma vie est de mieux en mieux et j'en tire les bénéfices de plus en plus parce que j'ai appris à vivre sans et ça me paraît de plus. C'est bizarre de dire ça, parce que l'ancien Maxime, il rigolerait bien, hein. Mais ça me paraît tellement loin, l'époque où j'avais besoin de l'alcool pour être heureux dans la vie et tout. Et vraiment, c'est important ce que tu viens de dire en disant, les gens qui disent, au bout, le 3 janvier, je maîtrise l'alcool. En fait, moi, je crois qu'on arrête l'alcool, on arrive à arrêter l'alcool une fois qu'on comprend qu'on est perdant. C'est l'alcool qui a gagné. Ouais. Donc, de croire que tu maîtrises l'alcool, ça veut dire que tu n'arriveras jamais à arrêter. C'est pour ça que l'abstinence est géniale, parce que tu capitules en fait. Et qu'est-ce que vous feriez face à un proche qui vous inquiète dans son rapport à l'alcool ? J'attends qu'il aille de plus en plus mal en fait. Il n'y a que lui, en fait, il n'y a personne d'autre que soi qui peut se dire j'en peux plus. En fait, j'en ai marre d'en avoir marre. Personne d'autre. Je suis assez d'accord. Je serais incapable de dire à quelqu'un. Et je pense que j'aurais été incapable moi d'entendre que j'avais un problème, parce qu'en vrai, on m'a déjà signalé à plusieurs reprises qu'il était temps d'arrêter. Si tout le monde fait pareil. Oui, c'est-à-dire que c'est valorisé aussi. Les gens aiment peu aussi quand même le changement, et on aime être ivre ensemble. Donc il y a de ça, mais je pense que c'est dur de dire à quelqu'un. Et je suis pas sûre que ce soit bien reçu. Je sais pas, mais je pense que en revanche, plus on multipliera les possibilités culturel, etc., de montrer la sobriété autrement, plus ce sera plus un tabou et on pourra complètement. Et enfin, on va se quitter là-dessus. Est-ce que vous auriez un petit conseil chacun, petit, un jour à la fois, un jour à la fois, one day at a time. Rester humble là-dessus. Ouais. Comme tu disais, ne pas se dire qu'on va maîtriser quoi que ce soit, qu'on va tenir quoi que ce soit. Essayer, en fait, et puis se dire qu'échouer, ça fait partie du processus. On n'est pas là pour les médailles, quoi, en fait. Hein. Voilà, exactement. Et voilà. Et où est-ce qu'on peut suivre votre travail et quelles sont là les actus qui arrivent ? Alors moi, je vais sortir un podcast, mais je ne peux pas encore en parler justement autour de la santé mentale. J'adore quand il y a du mystère autour de cette table. La santé mentale. Et donc, voilà, mais qui arrivera bientôt et sur lequel je communiquerai. Et j'écris un livre également sur la santé mentale et la santé pour Grasset. Voilà, où est-ce qu'on peut te suivre ? Sur les réseaux sociaux ? Sur les réseaux ? Sur Instagram, surtout. Claire Tozard sur Instagram. Claire Tozard, voilà. Rose ? Alors le podcast qui sort une fois toutes les deux semaines, tous les deux jeudis, le podcast Contre Addiction avec un tiret, qui a son Instagram et Rose l'Instagram. J'ai le livre Contre Addiction qui est pas du tout justement le livre du podcast, il est inspiré du podcast, mais c'est surtout tout ce que j'ai appris et tout ce que justement le chemin de la sobriété induit. Et pas que la sobriété, puisque c'est là que ça commence en fait. Et donc ça sort le 25 janvier, voilà. Moi, j'ai un podcast que je co-anime avec mon amie Marie De Brouwer qui s'appelle Touriste. On reçoit des invités qui nous parlent d'anecdotes de voyage. Souvent, celles qui tournent mal, c'est les plus drôles. Donc voilà, c'est toutes les deux semaines. Ça s'appelle Touriste sur toutes les applications de podcast. Vous pouvez me suivre sur Instagram pour tout le reste parce que je commence à faire de la scène et j'ai écrit des trucs et peut-être que je vais faire des objets culturels avec des stars, des premiers rôles qui sont dans la sobriété. Voilà, surtout Instagram. Je me suis mis sur Thread aussi. C'est quoi ? Ah, t'as combien sur Thread d'abonnés ? Je crois que j'ai 7-8 000. Ah, bah attends, ça veut dire qu'on a Execo, moi je suis à 8 000. Ouais, bah j'ai fait 4 trucs. C'est le nouveau Twitter en gros. C'est le Twitter d'Instagram. Ah, c'est pas X, ok. C'est le Twitter de Meta, quoi, de Facebook, quoi. Et moi, mon actu, ça sera de vous inviter toutes les deux, j'espère.
Avec plaisir. J'ai déjà reçu Joey Starr, Beck BD, Carla que Bruni. Que des copains, moi, vraiment. Tant que tu ne les invites pas avec Beck BD, ça va. Des gens que j'estime. Eh ben, justement. Beck BD, généralement. Les gens changent, tu sais. Ça, il faut arrêter de penser que les gens ne changent pas. Beck BD, en revanche. Attention. Et la maîtrise d'antenne. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie tous les trois pour votre présence et pour ce sujet qui est quand même très très important. Merci au lendemain toi. Des merci, fêtes bravo, et Anna. À la veille du Dry January. Merci beaucoup.